Et coucou les amis, bonjour à tous. Honorons le vivant et prenons soin de nous. Mais évidemment, évidemment, c'est fondamental, fondamental. Comment allez-vous ce matin, les amis, en ce vendredi 29 mars? Ça y est, nous nous rapprochons. Ben, c'est demain que nous changeons d'heure, hein, dans la nuit de demain à dimanche. Enfin, quel bonheur, hein, j'adore, j'adore. Parce que nous rentrons dans une période, le printemps, les amis, est là. Le changement d'heure arrive, c'est formidable. Les journées vont paraître un petit peu plus longues parce que je vous assure que nous sommes en train de, je ne sais pas, on n'a pas le temps de faire ouf que c'est déjà le soir et le lendemain matin. Et bref, c'est affolant comment le temps passe vite. Et les marabouts sont là au rendez-vous, bien évidemment. Ah là là, ils sont incroyables, hein. Eux aussi, c'est par vagues. Ah, il y a des fois, on est tranquille pendant des mois et là aujourd'hui, merveilleuse fête à nous tous. Katia, t'es adorable pour Pâques. Week-end de Pâques là, les amis. Oh là là. Bon, nous, ils nous annoncent un temps à rester enfermés, quoi. Quelle horreur. Et même, on va pas toujours avoir le soleil non plus, les amis. En plus, je sais que ça en fait râler quelques-uns. Un vent de fou! Je sais que par chez vous, enfin, ça dépend où, mais il y a du vent énorme. Nous, c'est la pluie. Ils annoncent encore un épisode important de pluie ce week-end. Et oui, message d'information, bien sûr, bien sûr. Eh oui, ça a déjà démarré, ça fait déjà un moment, hein. Et évidemment, évidemment, c'est fou furieux. Ce matin, là, j'ai fait vite fait un TikTok avant de démarrer, là. Bah, il va sûrement m'être encore censuré, les amis, évidemment. Vous connaissez la chanson, hein. Mais enfin, bon, concernant Kouchner, hein, Kouchner, eh oui, quand il était à l'époque au Kosovo, mais pas que, hein, un véritable sataniste, hein, ce monstre-là. Hein. Eh oui, Kouchner. Ah bah ouais, médecin humanitaire. Eh, trafic d'organes, les amis, d'êtres vivants. Enfin bref, on va pas en parler dès le matin comme ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que ces monstres-là, c'est bientôt la fin. C'est fini. Ils sont cuits. C'est fini, tout ça, sur la planète, les amis. Heureusement, hein. Pluie en Auvergne, oui. Eh ben, c'est Mère Nature qui est contente, les amis. On va pas se plaindre quand même. Il vaut mieux la pluie. Bon, après, pas trop d'inondations non plus, les amis, hein, évidemment, parce que le problème, c'est que quand il tombe beaucoup comme ça derrière, ouais, on a, comment dirais-je? Je vous l'ai lu ça ou pas? Mais non, je vous l'ai pas lu. On a du coup, je sais plus ce que je disais. Bon, allez, bref, c'est pas important. Oui, Mère Nature. Oui, je vous disais donc trop d'eau. Après, c'est pas bon. On a nous nos bas-côtés, les fossés, tout ça qui dégueule parce que ça n'a pas le temps d'absorber quoi. Enfin bref, c'est comme ça, les amis. Hein, quand on arrêtera de bétonner partout, on pourra ne pas le plus se plaindre, les amis. Oui. J'adore Joanne. J'adore Joanne. Moi, ça fait longtemps, si vous voulez, que en tant que chamane déjà, je suis allée à sa rencontre il y a bien des années, les amis, parce que moi, le chamanisme, ça fait longtemps que ça m'intéresse. Et donc, je l'avais déjà rencontrée il y a bien longtemps, Joanna. Elle est extraordinaire, elle est éblouissante, hein, elle est lumineuse et quelle femme. Quelle femme, les amis. J'aime beaucoup. Ah ouais. Hier, non, ben non, hier. Moi, cet horaire-là, 18h, les amis, je peux pas, hein, faire de live, c'est pas possible. Enfin, j'ai autre chose à faire, vous comprenez bien. Voilà. Donc oui, un beau live. Ouais, n'en pas douter, bien sûr, les amis. Comment ça va? Est-ce que vous avez le moral? Ça, c'est important. Allez, je voulais juste vous lire ça, vous partager ça, les prédictions concernant l'éclipse à venir du 8 avril. On va voir ce qu'il nous raconte. Oh, alors ça, dit Monet, là, franchement. Non, mais franchement. L'ami, comment ça? De me revoir, je suis là tous les jours. Et depuis 2018, hein, bien sûr, bien sûr. Et ouais, sauf qu'on a été vachement censurés, donc ça a été un petit peu le parcours du combattant pour nous suivre avec Lilou. Mais je n'ai jamais arrêté, dit Monet. Toujours là au rendez-vous, t'imagines? 2024, depuis, tu te rends compte, ça en fait des années et des heures de live, hein? Eh ouais, c'est rigolo. Mais on a encore des personnes comme ça qui nous retrouvent, qui sont ravies de, comme si on s'était, voilà, alors qu'on n'a jamais arrêté. Ah, Michel, tu me fais plaisir. C'est bien.
C'est bien, le moral est au beau fixe, c'est important. C'est important, les amis, très important. Ouais. Bon, je vous demanderai de partager, mais en fait, je ne vous le demande plus, mais là, je le dis parce qu'il faut quand même. Allez, donc là, moi, je voulais vous partager ça, puis on démarre, il n'y a pas plus. Ah, une petite carte, remarque, en fin de semaine, avant Pâques, avant ce week-end de Pâques, je ne les ai pas sorties, je vais les sortir. Vous pouvez profiter d'une éclipse, d'une pleine lune, d'un équinoxe, d'un solstice ou de tout autre événement pour vous accorder davantage aux énergies, les amis. Faut bien comprendre ça. On nous l'a jamais inculqué, les amis. Ni nos parents, ni nos grands-parents, ni à l'école. Et pourtant, nos anciens ancêtres, hein, dans d'autres communautés, ont toujours agi et pris des grandes décisions selon l'éclipse, les pleines lunes, etc. Évidemment, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est le conseil acturien de la neuvième dimension. Oh, bah, évidemment. L'huile de chambre, ça devrait te soulager, ça. C'est très, très bon. Pff, évidemment, pas de notification. Je ne suis pas étonnée, les amis. Je ne suis pas étonnée. Là, apparemment, on a un bug avec Julie Lilou Live Co. Et ouais, peut-être du fait de l'apéro live hier soir, vu qu'elle refait sur Facebook, Lilou, je ne sais pas. Enfin, il y a toujours un souci, les amis, hein. Mais on rebondira toujours et encore. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous approchons toujours d'un autre niveau de conscience ici dans la neuvième dimension et vous aussi dans la quatrième. Valérie, courage, ma belle. Chaque pas en avant pour vous est un pas en avant en termes de vibration et de niveau de conscience. Vous n'avez jamais à vous soucier de régresser, de revenir en arrière ou de stagner, car vous progressez toujours à chaque respiration, les amis. Eh oui. Eh oui. Tic, tic, tic. Maintenant, vous voulez comprendre que votre évolution n'a pas besoin d'impliquer la douleur et la souffrance, tout comme elle n'a pas besoin d'impliquer le chaos et les événements cataclysmiques. Vous voulez comprendre que vous êtes là pour déterminer comment vous grandissez spirituellement. C'est vraiment ça l'enjeu, les amis. Vous pouvez évoluer très rapidement grâce à la méditation, mais vous pouvez aussi évoluer en faisant quelque chose que vous aimez. Très important. Ça, c'est très important. Tic, tic, coucou, gros bisous, Aline. Aline qui a un canal sur YouTube, hein, une chaîne, l'essentiel, hein. Corrige-moi si je me trompe, Aline, hein, mais je ne crois pas que je me trompe. Très intéressant aussi. Aline, Aline, tu es là, oui. Bonjour, hein. Bon, je passe du coq à l'âne, excusez-moi, hein. Donc, allez, je me reconcentre. Donc, maintenant, vous voulez comprendre que votre évolution n'a pas besoin d'impliquer la douleur et la souffrance, tout comme elle n'a pas besoin d'impliquer le chaos et les événements cataclysmiques. Vous voulez comprendre que vous êtes là pour déterminer comment vous grandissez spirituellement. L'essentiel TV, c'est ça, sur YouTube. N'hésitez pas à découvrir, les amis. Vous voulez comprendre que vous êtes là pour déterminer comment vous grandissez spirituellement. Vous pouvez évoluer très rapidement grâce à la méditation, mais vous pouvez aussi évoluer en faisant quelque chose que vous aimez. On vient de le dire. Pardon. Vous pouvez grandir spirituellement en tombant amoureux. Bien sûr, vous vous lancez des défis, mais ces défis sont là pour vous rappeler à quel point vous êtes fort, puissant, capable de tout surmonter, les amis. Je le répète et je signe, capable de tout surmonter. Chaque épreuve qui s'en vient, si elle s'invite dans votre vie, c'est que vous êtes largement capable d'y faire face et d'y répondre, les amis. Et c'est vrai parce que vous êtes des êtres d'énergie de la source, rien de moins. Par conséquent, en tant qu'être d'énergie de la source, nous vous invitons à créer votre expérience d'évolution spirituelle et à savoir que rien d'extérieur à vous ne détermine si vous évoluez spirituellement ou non. Vous pouvez profiter d'une éclipse, d'une pleine lune, d'un équinoxe, d'un solstice ou de tout autre événement pour vous accorder davantage aux énergies qui vous aident toujours à grandir et à vous étendre. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose se produise pour faire l'expérience de l'élévation de votre niveau spirituel. Vous pouvez décider de devenir votre moi supérieur aujourd'hui parce que votre désir de le faire est si fort et que votre résistance à la réalisation de cet objectif est minuscule ou inexistante.
Nous vous disons cela parce que nous ne voulons pas que vous ayez toujours l'impression de devoir attendre la prochaine prédiction pour vous dire qu'il est temps pour vous de passer au niveau suivant de votre conscience. Nous ne voulons pas non plus que vous pensiez qu'il faut aller dans un endroit lointain et prendre des plantes médicinales pour grandir spirituellement. Vous pouvez évoluer spirituellement parce que vous le décidez en tant qu'âme éveillée, que c'est ce que vous voulez faire. Et encore une fois, personne ne peut vous arrêter. Et vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit ou qui que ce soit, les amis, pour faire ce prochain grand pas en avant pour vous-même. Il est toujours agréable de se réjouir d'une éclipse ou d'un autre événement qui se produira dans le ciel, car cela vous donne une raison de vous réjouir et de vous exciter. En fin de compte, c'est vous qui déterminerez quelle sera votre expérience de cet événement, alors que beaucoup d'autres vous diront qu'il s'agit de ceci ou de cela. C'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Et nous, vous promettons que vous pouvez profiter de toute l'évolution de la conscience qui vous est offerte au moment où vous le décidez. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous, canalisé par Daniel Scranton. Ça résonne ou pas, les amis, hein? Mais c'est important de ne rien attendre. Avec plaisir, Lali, hey, de tout mon cœur. C'est ça, agir avec cœur, de cœur à cœur, les amis. Rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, les amis, est qu'une grande illusion. Ce monde matériel. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Alors, on va se faire une petite carte de l'univers, un petit message, manière. Ça vous laisse arriver tranquillou, autour d'un petit café ou d'un petit thé ou d'un petit verre d'eau tiède, hein, tout simplement. Il n'y a rien. Bon. Il n'y a pas à se formaliser. Hein. Chacun ses habitudes. Marie-Madeleine, l'évolution. Oh, tiens. Et les crop circles aussi d'Umberto. Umberto Molinaro. Oh, j'ai hâte qu'on le reçoive sur nos pages, les amis. Vous allez passer une soirée. Je peux vous dire que ça va décoller. Ah, il est formidable. Il doit revenir vers nous la semaine prochaine pour nous donner une date exacte. Mais vraiment, les amis, on va se régaler. Donc, on va commencer avec son jeu de crop circle. Vous savez ce que c'est, crop circle, hein, les amis? Exactement, Vika, exactement. Mais de toute façon, on est libre. Est-ce que c'est clair? Merci. Depuis cette affaire, tu ne nous avais pas vus? Oh putain, tu m'étonnes. C'est dingue, on en a perdu plein en route, hein, des amis. Hein. Oh là 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 là. C'est dingue, c'est dingue. Tu vois, nous avons fait bien les choses. On s'est retrouvés, dit Monet. Oh la vache. On en a perdu pas mal en route. Eh ben ouais, bien sûr. Moi, j'ai suivi les loups, évidemment. Ouais, j'ai suivi les loups. Il n'était pas question de rester après tout ça, les amis. Hein. Vous imaginez bien. Alors, un petit message là. Oups. Oh, notre rayon d'illumination. Alors là, vraiment, Christelle, tu me flattes, hein. Merci d'avoir partagé. Tiens, bah la carte, elle a sauté. Hein. Carrément, quoi. Qu'est-ce que c'est? Le crop circle. Alors, vous savez qu'un crop circle, les amis, ne serait-ce que de le regarder, nous charge. Hein. Ça émet évidemment une vibration, ses formes, hein, sous très géométrie sacrée. Hein. Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Vous vous réalisez totalement. Le soleil central, la source, nourrit notre soleil qui envoie ses énergies à la Terre. Tu m'étonnes. On est dans ces temps exceptionnels. Oh, avec plaisir, Christiane. Merci à vous, les amis, d'être là aussi. On est ensemble, hein, on fait le chemin ensemble, les amis. Hein. Eh oui, quel chemin. Hein. Alors, que vient nous dire cette carte où vous vous réalisez totalement? Et imprégnez-vous hein, de cette belle énergie. Ah, c'est extraordinaire. Ah oui, mon Jean-Luc, je te le fais pas dire. Eh oui, mais c'est ça. Tu sais pourquoi, Jean-Luc, live d'utilité publique? Parce que déjà, vous écoutez les uns les autres, c'est primordial dans cette société individualiste, d'égoïste, n'est-ce pas? Hein, ça change la donne un peu, ça fait du bien, du baume au cœur, qu'on soit écouté, respecté, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Voilà, on a tous besoin de s'exprimer à un moment donné. Et plus personne n'écoute, personne. Ben ici, au moins, on prend le temps. Et deuxièmement, pourquoi d'utilité publique? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine transition. Cette transition nous demande de vibrer haut un maximum pour la passer de la meilleure des façons. Donc ensemble, on se tient la main, on se soutient, d'accord? Et on garde morale parce que c'est ça qui est le plus important dans cette affaire.
c'est de pas se laisser happer par tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est revenir en soi et pouvoir compter en nous, sur nous et entre nous, les amis, tout simplement. Donc, d'utilité publique, exactement. Alors, donc, j'y arrive. Hein. Vous réalisez totalement, vous réalisez totalement. Hey, Nadia, en attendant, il y en a qui souffrent dans leur chair, hein. Pas mal. Hein. On le sait, c'est du narratif. Mais tu vois, tant que le narratif, il impacte encore sur la vie personnelle de chacun, ça fait mal, même si ça reste du narratif, tu comprends? Eh oui. Bon, bref, vous avez trouvé votre voie ou vous êtes en cours de la trouver, les amis. Quand une partie suffisante de l'humanité basculera dans la 5D, c'est-à-dire dans un niveau de conscience un peu plus élevé, d'accord, on ne va pas changer de planète d'un coup d'un seul, d'accord? Bon, vous avez compris, toute la Terre suivra. Eh oui, centième singe, enfin, c'est quantique tout ça, hein. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, rien ne semblera avoir bougé. Tiens donc, le grand changement se verra dans le comportement des êtres humains, tous les systèmes seront alors chamboulés et tout sera transformé. Mais comme ça résonne avec l'époque actuelle, les amis, apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre en intégrant et en la considérant avec amour. Tout est à inclure, les amis, tout, même nos défauts, évidemment, personne n'est parfait. Quelle belle carte, ça vient résonner vraiment avec ce qu'on vient de partager. Hein. C'est beau. Regardez cette belle pochette cousue par notre Mimi d'amour qui fait sa main. Parce qu'on n'avait pas de pochette, c'était comme ça dans un petit plastique. Oh, adorable, adorable. C'est d'ailleurs Mimi qui m'a offert ce beau jeu de crop circle. Un amour, notre Mireille. Je l'embrasse fort, fort, fort. Ah là là. Hop, voilà. Magnifique, hein? Oui, Aline, oui. D'ailleurs, j'ai vu que là, bientôt, à Médecine, là, sur YouTube, on va bientôt sortir le documentaire du symposium. Hein? Ouh là là, ça va dépoter, les amis. Alors, un petit message de notre oracle, les messages de Marie-Madeleine. On va voir, les amis. Écoutez, on est là. Hop, je vous mets le lien en attendant, comme ça, vous pouvez me rejoindre. Ce sera vraiment sympatoche. Coucou Anna, tu me l'as pas dit, mais c'était ton anniversaire hier ou avant-hier. Quelle coquine, quelle petite cachotière. Je te souhaite un bon anniversaire, un peu en retard, certes, mais je l'ai vu, je crois, hier en me baladant sur Facebook. Oh, c'est pas vrai. Une thérapeute ? Elle se rend compte de rien, hein, ben putain, elle est vraiment dans sa bulle, hein, quand même. Tous les gens qui disent que ça bouge pas, non, là, c'est de la mauvaise foi, les amis, c'est de la mauvaise foi, hein. On peut pas. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, elle t'a dit, Valérie? Ah, mais c'est qu'elle l'a décroché total. On voit que c'est pas plus mal, hein. Ceux qui sont complètement dans leur bulle des fois, c'est pas plus mal, dans le sens où. Crois-tu? Oh ben, Jean-Marc. Je suis pas ma première, hein. J'espère que je serai ma dernière, par contre. Ici, sur Terre, je te parle, hein. Ah ouais? Super! Oh, toi aussi, Nicole, c'était ton anif. Oh, gros, gros bisous. Bon anniversaire. Non, mais écoute, Valérie, c'est pas grave. Le problème, c'est l'électrochoc. Ces gens-là qui ne se rendent compte de rien, là. Quand ça va secouer d'un coup d'un seul, là, ça va faire drôle parce qu'ils sont préparés de rien du tout. Hein. Ils sont même pas fait à l'idée qu'il y a des choses qui se passent quand même. La tour du Brésil qui a brûlé, non, j'ai pas vu. Après le passage de Macron, tu m'étonnes. Alors lui, où qu'il passe, c'est glauque. Hein, c'est glauque. Hein. Ce sont des monstres. Hein. T'imagines l'énergie qui dégage le type? Pas le type, le l'acteur. Oh, quelle horreur. Mais c'est une horreur. Tiens, que nous dit Marie-Madeleine, d'ailleurs? Enfin, cet oracle. Elle nous dit, 7, la vision vient de l'intérieur. Tiens donc, tiens, moi, je te dis. Elle vient confirmer ce que j'étais en train de vous dire. Joyeux anniversaire, les amis. S'il y en a qui dit ça ne bouge pas, ne regarde pas des bonnes. Mais tu m'étonnes, Nadia. Jamais, professeur les bras. Jamais, jamais, jamais. Ah non! Ah non, moi, ah bah, tu m'étonnes, surtout pas.
Ah ben tu sais, quand tu as conscience de ce qui se passe dans le monde et surtout ce qu'ils font à nos enfants, comment te dire? Il n'y a rien qui t'arrête. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah non, 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 hors de question. Alors attendez, cette, la vision vient de l'intérieur. Ben ouais, ben ça, c'est certain. Ah, 7. Chiffre 7. En même temps, j'aime vous lire, hein. Ouais, t'as raison, t'as raison. J'irai voir ça, Sylvia. How are you, Yannick? Oh, bah, dis donc, t'es tombée du lit, toi. Peux-tu essayer de me retrouver une personne qui m'est chère? Elle s'appelle Karine Guillet de Ribérac. Avis de recherche. Nous appelons Karine Guillet de Ribérac en Dordogne. Yannick, je vais faire mon possible, mais enfin, comment te dire? Donc, si jamais, ouais, jamais Karine Guillet de Ribérac en Dordogne nous entend, Yannick, qui habite aujourd'hui aux États-Unis, aimerait avoir de tes nouvelles. Je ne sais pas, hein, Karine Guillet. Ça ne me dit rien, moi, hein, tu sais, ce n'est pas évident. Écoute, on va voir. Je vais essayer. Ah, voilà, la vision vient de l'intérieur. En tout cas, j'ai vu quelques Guyanais. Il est en Guyane aussi, non? Non, au Brésil. Putain, ils lui ont rentré dedans, je te raconte pas. Mais oui, Catalina. Mais ouais. Excellent. Oui, j'ai vu. Voilà. J'avais vu à venir hier soir. Oui. Mais par contre, Kat, ils les ont relogés, non? Et là, dans des petits bungalows sympatoches, hein, ils sont mieux que dans la rue. Pourquoi ils n'ont jamais fait ça dès le départ, ces salopards? Du gouvernement, bien sûr. Hein? Parce que j'ai vu qu'ils les avaient mis dans des petites. Quand même, ils sont à l'abri, non? Enfin bon, j'ai pas vu grand-chose, en fait. J'ai vu ça vite fait passer. Ah, ton fils habite Ribérac, Catherine. Est-ce qu'il connaîtrait pas une Karine Guillet? On va lui retrouver, hein, Yannick. Avis de recherche. Vous vous rappelez de l'émission à l'époque? Il y avait une émission comme ça, perdu de vue ou avis de recherche, je ne sais plus. Alors, excusez-moi. Bon, allez, on reste là parce que concentré 2 minutes. Donc, la vision vient de l'intérieur, nous dit-elle. Eh ouais, tu m'étonnes. Oh, écoute, c'est rigolo, les amis. On va la retrouver, Karine Guillet. Allez. Donc, que nous dit Marie-Madeleine? Dans le chapitre 7 de l'évangile de Marie, Marie demande au Christ. Alors, il y a des extraits de tout ce qui est Bible, tout ça. Les amis, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, ce qui résonne ou pas, d'ailleurs. Hein? D'accord? Moi, je suis la messagère. L'évangile de Marie, Marie demande au Christ, Seigneur, dans l'instant, celui qui contemple ton apparition, est-ce par la psyché, l'âme, qu'il voit, ou par le pneuma, l'esprit, le souffle? La réponse du Christ est fragmentée car les 4 pages suivantes de l'évangile de Marie sont manquantes. Voici le début énigmatique de la réponse du Christ. Ni par la psyché, ni par le pneuma. Mais le nous étant entre les deux, c'est lui qui voit et c'est lui qui. Je me suis souvent demandé si ces pages avaient été arrachées car, dans le passage manquant, le Christ révèle à Marie comment la vision véritable vient de l'intérieur. Et si la manière dont nous voyons vraiment dans ce monde ne dépend pas réellement de notre vue, mais d'une perception spirituelle qui existe en nous. Si nous savons ce qui est vrai pour nous, ce qui est réel et durable, si ces réponses viennent de l'intérieur, alors nul ne peut avoir de pouvoir sur nous. Très important, ça. Eh oui. Si nous contenons nos propres réponses, nul ne peut nous induire en erreur et nous manipuler. Nul ne peut nous faire croire que le pouvoir ou la paix véritable peuvent se trouver à prix d'argent ou au prix de notre liberté. Un pouvoir immense et une paix incommensurable découlent de la certitude que nous n'avons qu'à chercher pour trouver. Il nous suffit de fermer les yeux et de nous ouvrir à ce que notre cœur voit clairement. Dans ce passage, le mot pneuma, donc esprit, ne correspond pas à la définition contemporaine que nous en avons. Dans la version grecque originale, le mot pour, esprit, est nous, qui se traduit plus précisément par l'œil spirituel du cœur. Le nous, N-O-U avec accent circonflexe S, est donc l'aspect de l'âme qui nous permet de recevoir une vision de l'intérieur. Les 7 pouvoirs de l'ego sont, selon l'évangile de Marie,
ce qui peut obscurcir notre perception spirituelle. Le 7 est le nombre spirituel de la transformation, des étapes que l'âme doit franchir pour atteindre la libération. Et la légende raconte que 7 fois par jour, Marie était soulevée par 4 anges au-dessus de la montagne sacrée dans le sud de la France. Je pense que cela signifie que 7 fois par jour, elle se libérait des 7 pouvoirs de l'ego. Elle pouvait ainsi avoir une vision claire, renouvelée à chaque fois et voir avec l'œil du cœur. Hein? Voilà, méditons sur ces belles paroles. Méditation de la voix de l'âme. Quelle vision suis-je prête à recevoir depuis l'intérieur? Tain, bonne question, les amis. Oh, il est midi et demi chez toi, la Réunion. Salut, Joe. Tain, on a international, les amis. Hein? On a Frenchy, Yannick qui est des États-Unis. On a John qui est de la Réunion. On en a plein d'autres, des amis. On a plein d'amis de Belgique. On a pas mal d'amis aussi de Tahiti. Tiens, Elvis, comment il va, Elvis? Il y a un moment que je ne l'ai pas. De la Polynésie. On a nos amis de la Polynésie. On a nos amis du Québec. Eh oui. Allez, un petit dernier message de l'univers, les amis. J'arrive. On prend le temps. Toi aussi de la Réunion, Vika. On s'en souviendra de cette période, les amis. Hein. Oui, Laetitia. Une belle grande famille, les amis. Il est là, Elvis. Yorana, mon ami. Il y a un moment qu'il n'est pas monté nous donner des nouvelles aussi. Tout ça va être nettoyé, Sylvie. Ah ben, dis donc, t'as raison, c'est en cours. Ça fait déjà un bail. Il hein. Faut dire qu'il y avait la gangrène. Hein. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Ouais, ouais, mais il y a énormément de commentaires et de monde. Là, j'ai plusieurs plateformes. Et encore, je ne les ai pas toutes. Je n'ai pas les commentaires de VK, de Crambanker, les amis. Et c'est tout. On est sur plusieurs pages Facebook parce qu'hier, je voyais des commentaires disant « Mais je ne comprends pas, tu commentes, tu es sur Facebook, je ne vois pas tes commentaires. » Parce que je suis sur 3 pages Facebook, là, en direct, je crois. Bon, un petit message là pour nos amis et moi et nous, là, en ce vendredi, veille de week-end de Pâques. Hein? Et ouais, week-end de Pâques, les amis, résurrection. Oh, chaman. Bon, chaman. Je dis calme-toi. 22h34, Elvis. Yaorana, mon ami. Ah oui, eh oui, chez toi, c'est tard. Tu vois un peu, hein, on a tous les horaires là. Donc, chaman, le petit message de l'univers. Entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Belle carte. Belle carte. Ni plus ni moins. Ah, une petite de l'oracle de l'évolution. Je me régale. Il n'y a qu'avec vous que j'en profite vraiment de mes cartes en plus. Enfin non, je le fais aussi comme ça, mais là, c'est l'oracle de l'amour inconditionnel. Ça, c'est beau, ça. En plus, il y a encore des amis qui arrivent. Oui, donner, recevoir, Caroline. Coucou, Antonia. C'était un drôle week-end de Pâques, on prouve ça. Pas trop de chocolat, arrête tes conneries, hein. On adore ça, le chocolat. Ben, c'est pareil. Hein. Oh, c'est plus pour les petits choux, leur faire voilà, la petite chasse aux œufs. Ça, c'est sympa. Mais bon, vu qu'il pleut, moi, je vais être enfermée dans ma cage à poules. Franchement, bonjour. Hein. Bon, pour Pâques, vous me direz les œufs, les poules. Je suis dégoûtée, les amis. J'avais envie de partir en nature, me recharger, nous ressourcer, passer 3 jours à la campagne, quoi. Enfin, vous avez compris, quoi. Putain, le temps qui nous annonce, bonjour. Alors, on va devoir s'occuper. Bon, allez, une petite carte et puis j'accueille mes amis, là. Hop, la légèreté. Elle a des vibrations, hein, cette carte. Bon, la légèreté. Non, Manuela, j'ai pas de poule chez moi. Quand je dis ma cage à poule, c'est moi, hein, c'est dans mon HLM, là. Hein, ouais, c'est une cage à poule, j'appelle ça. J'étouffe dans le béton, moi, tu sais. Hein, ouais, c'est compliqué, hein. Enfin, c'est compliqué. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça, les amis. Pour l'instant. J'espère que la vie me récompensera à un moment donné. Hein. Je pourrais avoir une maison en bois, par exemple. Je ne demande pas grand-chose. Hein.
Alors, on en est à la légèreté, les amis, la légèreté. Sur ton balcon, oui, bien sûr. Mais cela dit, moi, une poule, j'adore, j'adore. J'en ai eu des poules, bien sûr, bien sûr. Quel bonheur le matin d'aller chercher son œuf. D'ailleurs, on en avait deux par jour. On avait deux poules, elles nous donnaient un œuf par jour, chacune. Ah, c'était une merveille. C'était la bonne époque, ça, les amis. Ouais, c'était la bonne époque. C'était quand j'étais pas cet HLM. Allez, la meilleure façon de faire l'expérience de la légèreté est de vivre d'abord une situation profondément lourde. Eh oui, eh oui. C'est la phase dans laquelle vous vous trouvez à présent. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un passage qui ne durera pas éternellement. Les choses ne sont peut-être pas simples, les amis, ni faciles actuellement, mais sachez qu'elles vont bientôt s'alléger, les problèmes s'évaporer. Vous allez pouvoir vous reposer et reprendre des forces. Ce n'est pas parce qu'une situation est lourde qu'elle est forcément négative. Elle vous a permis de vous renforcer et d'apprendre. Vous ne le voyez pas encore, mais bientôt vous vous sentirez grandi par tout ce que vous avez vécu. Accrochez-vous encore un peu, allez au bout de cette situation. Vous verrez ensuite que des ailes ont poussé dans votre dos. La vie n'est toujours pas une partie de plaisir, c'est vrai, mais il existe en vous une ressource immuable. Dans votre fort intérieur, la joie peut toujours être présente et la légèreté aussi. À bon entendeur, les amis, à bon entendeur. Allez, je m'arrête là, je pourrais vous faire ça toute la matinée, je me régale. Mais j'aime aussi vous écouter, hein, et échanger avec vous. Heureusement. Tu as raison, Virginie. Mais on ira ramasser les escargots. Ça, c'est sûr. On sortira coûte que coûte, même sous la pluie. Ah ouais, mais là, il faut de l'espace. Tu m'étonnes. Ah oui, mais j'aurai. Oh là. Tu sais, je rêve grand. Donc, je sais que ça se réalisera tôt ou tard. Tout simplement. Tu vois, Caroline, il te rejoint ce message? Ah ouais, mais moi, de façon, contempler, que ce soit les animaux, la nature, cette façon de faire naturel, tu vois, pas de faux-semblants, pas de jeu, parce que les humains, bonjour, hein, avant de voir le côté naturel, bonjour, mais la nature, les animaux, mais moi aussi, je passerai des heures un appel à observer. Je me régale. On peut accrocher les cloches et les faire sonner au balcon pour le renouveau. Tu peux. Lapin au chocolat. Oui. Oh, Nizou, comment ça, t'arrivais pas à te connecter? C'est quoi ce bordel? Toi aussi, Nat? Oh, c'est un bonheur. Un bonheur, les poules. Puis, elles nous donnent énormément, hein. Elles sont généreuses, hein. Oui, Bordeaux sous la pluie. Eh ouais, à l'intérieur, c'est sûr, Babunia. Il est à l'intérieur, le soleil. À nous de briller, rayonnons, rayonnons. Non, non, pas de briller, de rayonner. Parce que briller, ça veut dire quoi? C'est la lumière qui reflète sur nous. Mais nous sommes la lumière. Donc nous rayonnons, nous ne brillons pas, nous rayonnons. Ah, je suis animée ce matin. Ah, je peux pas, j'ai la pêche. Veille du week-end de Pâques et nous accueillons notre Jean-Luc national. Bonjour Ludy, bonjour à tous et à toutes. Oui, bah, Bonjour. plein de positivité. Hein. On pourrait dire que là, le bouleversement se fait à foison, comme vous pourrez dire, à foison. Hein. Ça, on arrive vraiment dans des changements cosmique, on pourrait dire, hein. Voilà, hein. Donc Mais oui, mais oui, tu as ça raison. va nous changer, on pourrait dire nous changer la vie, le moral, la sérénité, hein, que nous pouvons avoir, hein. Ça, il faut toujours rester serein, hein, serein de ce qui va arriver, hein. Ça, c'est vous connectez principalement à vos anges gardiens aussi, à vos trucs qui vous soutiennent. Hein. De toute façon, que vous soyez dans les moments difficiles et tout ça, vous aurez toujours un sursaut de la part de vos anges gardiens. Hein, si vous vous connectez truc, hein, et de la source aussi, hein, bien sûr. Parce que la source nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein.
Et surtout actuellement, ça justement, ça refait des trucs. Hein. Alors, je vais vous dire aussi un texte que je viens d'écrire, hein, justement. Oh, alors ça, Jean-Luc, j'apprécie quand ça vient de toi, ta plume. Alors, l'esprit d'amour. Vivre l'esprit dans l'amour, c'est une vie de sagesse et non de paresse. Autant de bienveillance pour notre cœur émergeant de bonheur. Sans douleur ni peur, nous anime pleinement de chaleur. Qu'il puisse toujours vous soutenir dans les moments de douleur et de malheur. Qu'il en soit ainsi, ainsi soit-il. Voilà. Voilà. Hein, donc, soyez toujours confiants. Hein, de toute façon, émergez votre esprit. Hein, l'esprit est créatif aussi. Hein, vos pensées sont créatrices. Donc, tout ce qui est pensé vient de l'esprit, vient du cœur aussi. Hein, vu que l'esprit est relié au cœur. Hein, voilà. Et donc, j'ai aussi relevé ceci sur Pinterest aussi. Alors, je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Voilà. Tu m'étonnes. Oui. Ah, il faut le porter sur sa conscience d'enfermer quelqu'un, tu t'imagines ? Non, mais c'est clair. Voilà. Justement, il faut jamais se prendre supérieur à quelqu'un d'autre parce qu'on est tous égaux. Exactement, à la base. Non, mon ami, voilà. mais bien sûr, plus jamais d'ailleurs on permettra ça, que personne soit supérieur à personne. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors, dites-vous ceci aussi. Hein. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà. Magnifique. Je respire la vie. C'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est très beau ça. Alors, attends. Hop. J'attends. Je montre mon petit tableau de visualisation à Samira, 2 secondes. Et ouais, non, mais c'est que... Alors, l'amitié, c'est cette main qui te soutient dans la douleur. C'est la personne qui devine ton inquiétude. C'est celle qui te rassure avec ses mots si doux. Voilà. Donc, toujours être bienveillant entre vous. Hein. Ça, c'est primordial hein, pour une union complète des consciences, hein, comme je pourrais dire. Et puis, nous devons, de toute façon, évacuer maintenant le narratif. Hein. Merdio, ça c'est primordial pour justement avancer sereinement. Hein. Évacuez vos peurs, hein, ça c'est. Ne vivez plus dans la peur, hein, parce que la peur, c'est ça qu'ils veulent, hein, de toute façon, les narratifs, les merdio et tout, ils veulent nous induire dans la peur, nous maintenir dans une peur constante. Et ça, nous devons. Faire table rase de toute cette peur. Hein. Ça, de toute façon, c'est pour. Ben, ils savent qu'ils sont sur le déclin, hein, de toute façon. Hein. Ils savent qu'ils sont sur le déclin. Ça va. Comme on dit, il y a une chose qui va se faire, ça va péter. Hein. Ça va. Justement, ça va. Ben, ça va péter d'une manière. Dirons-nous.
assez pacifique, parce que il y a beaucoup de gens qui vont prendre conscience que on nous a amenés en bateau depuis des décennies, hein, voilà. Hein. Oui, mettre en colère cela, hein. Bon, ils n'ont pas apprécié l'histoire. Justement, les vérités qui sortent vont permettre justement à élever, à réveiller les consciences qui sont encore endormies. Hein. Bon, il y en a malheureusement, hein, comme on dit, hein, au sujet de la picouse, hein, ceux qui vont refaire 5-6 doses, là, eux, pour eux, on peut rien faire. Malheureusement, pour eux, on ne pourra plus rien faire. Ça, c'est ils ont été, leur conscience a été grillée, hein, a été formatée, grillée dans l'ignorance, hein, bien sûr, hein, dans l'ignorance. Hein, voilà, hein, donc, moi, ce que je leur dirais, hein, comme j'avais dit, hein, de toute façon, la troisième dose, à partir de la troisième dose, ce serait létale. Hein, létale pour ceux qui auront fait cette troisième dose de ce poison, hein, et du poison qu'ils sont en train de remettre en fonction mis à part de l'OMS et tout tralala, hein, ça pour eux, non. Il faut aller en contre cette vaccination, enfin, cette injection, parce que c'est encore une injection qui n'a pas lieu d'être. Hein. Voilà, hein, pour le bien de l'humanité. Hein. Je répète, c'est pour la survie de l'humanité. Hein. Voilà. Hein. Donc, ne faites pas de vaccins, ni les 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons. Hein. Ça, c'est... Hein, bon. Les seuls vaccins qui peuvent être valables, c'est la polio, le BCG, comme on avait avant, c'est tout. Voilà. Hein. Et encore. Encore, il y a hein. Hein, donc, aucun n'est valable, mon cher Jean-Luc. Tu as un corps extraordinaire avec un système immunitaire au top. Ouais, voilà. Hein. Et faites beaucoup de médecine naturelle, hein, maintenant. Quand vous tournez boussé vers les naturopathes, etc. Hein. Et aussi, comme je disais aussi, des trucs sur le serment d'Hippocrate. La nourriture, j'avais dit où elle est. Attends, je vais venir. Les virus n'existent pas, Adrien, tu le sais, hein, hein. Oui, les virus, c'est des choses inventées. Allez voir. Les virus, les bactéries, nous sommes formés de milliards de bactéries, hein, déjà. Et ce qu'il y a, c'est que avec leurs produits chimiques et tout ça qu'ils nous ont inculqués, ils ont détruit justement ces cellules, ces bactéries, ils ont fait extérioriser des bactéries, des mauvaises bactéries, quoi, hein, on pourrait dire. Hein, voilà, hein, donc c'est justement que comment on est sain. Sain. On a des cellules saines au départ, à notre naissance. Hein, voilà. Et justement, à force d'apporter des vaccins ou des trucs comme ça, ils engendrent des choses qui ne peuvent pas, qui nous font du mal au bout de tant d'années. Hein. Voilà, hein, ça c'est le système immunitaire se détruit si on mange pas ça, ou on mange des choses qui sont toxiques ou quoi que ce soit. Hein, voilà, hein, donc ils ont voulu améliorer les aliments, mais en fin de compte, ils ont fait tout le contraire. Quoi, hein, voilà, donc... La santé commence dans notre assiette. Et oui, cher ami, tu as raison. Eh oui. Alors,
Non, les virus n'existent pas. Allez chercher, les amis. Béchamp, vraiment, allez vous renseigner. Hein. Pasteur, il est venu là. Un imposteur. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'histoire? Pour se référer à Deschamps, hein. Pour se référer à Deschamps, hein. De toute façon. B-E-C-H-A-M-P. Ouais, Deschamps, ouais. Il est. Voilà, il y a des travaux. Il y a un monsieur Olivier Scotti, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Qui a étudié, qui a évidemment hein, tous les travaux de Deschamps et qui en parle à merveille. On avait fait un live, mais bon, alors, pour le retrouver, les amis, je ne vais pas vous indiquer. Mais enfin, il doit être sur Crambanker. Hein, tous nos lives sont en replay et enregistrés, mais ça date. Hein. On en avait fait un magnifique live sur cette histoire, Pasteur et Deschamps. Et vraiment, hein, c'est l'heure de comprendre tout ça et d'ouvrir les yeux aux autres aussi, parce que là, je peux vous dire que oui, Antoine Béchamp. Oui, lui parle de Microzima, mais c'est aussi, il y en a plein d'autres qui en parlent. Hein. Il y a aussi, oui, exactement. Il y a aussi Greg qui en parle. Ah ben, je ne suis pas convaincue, ma belle, tu m'étonnes. Ah ben attends, c'est dissonant, hein. Tu sais, quand on nous a appris tellement de choses et que derrière, non, je comprends que tu n'arrives pas à y comprendre. Alors, c'est une citation d'Hippocrate, hein, je l'avais mis dans les messages d'ailleurs avant de monter. Que votre alimentation soit votre première médecine. Voilà. Oui. Eh oui, ah ben, là, il y a Thierry Casanovas, bien sûr, lui aussi. Ben, il en a payé les frais hein, de parler de santé, de l'alimentation. Eh oui. Le bonheur vient vers ceux qui croient en lui. Voilà. Donc, pensez toujours au bonheur et puis vous viendrez croyez au bonheur et puis vous en recevrez autant. Je dire aussi pour ceux qui ont une passion, laisse ta passion te mener à ta profession. Voilà. Donc, vivre de sa passion, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. C'est-à-dire, vous vous levez, c'est fluide, vous n'allez pas travailler avec la boule au ventre. Et ça, moi, je reconnais que ça, c'est magnifique. Voilà. Si on pouvait tous vivre de nos passions, les amis, ce serait merveilleux. D'ailleurs, c'est ce qui nous attend. Hein. C'est ça qui nous est demandé, d'ailleurs. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez un don inné pour la peinture ou la mécanique, enfin le jardinage, etc., etc. Ben, faites ce que vous avez envie de faire. Hein. Moi, j'ai un don pour la danse. J'ai un don pour la musique aussi. Enfin, parce que bon, je suis en osmose avec la musique. Hein. Eh ben moi, ce que j'aurais pu faire, malheureusement, bon, on a été formaté à faire des choses que truc hein. Et donner des cours de danse ou des trucs comme ça, ça me plaît, hein, ça me plaît, hein. Mais bon. Malheureusement, bon, je n'ai pas pu en faire mon métier. Hein. Mais déjà, à l'époque, quand je faisais partie d'une troupe de danse, quand j'étais adolescent, hein, j'avais 17 ans. 16-17 ans. Et en 77-78, j'étais dans une troupe de danse et c'était une Thaïsienne hein, qui était notre coach, hein, on pourrait dire, hein, notre truc. Et elle avait justement un de ses élèves, enfin, un de ses membres du groupe qui avait été admis au Lido à Paris. Hein. Donc, il recherchait des gens
pour aller danser au Lido à Paris. Et moi, il m'avait vu que ma façon de danser, etc. Mmh. Et justement, il avait demandé un truc, mais comme j'étais encore mineur à l'époque, hein, et puis à l'époque, à l'époque, c'était déjà, la majorité était déjà à 18 ans. Hein, et ce qu'il y a, c'est que j'étais assez grand pour entrer dans cette troupe de danse parce qu'il fallait avoir 1m75 à l'époque pour entrer comme danseur, hein, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai pas pu le truc parce que ma mère a mis le haut là, quoi, elle a tout voulu parce que moi déjà j'étais encore mineur et puis etc. Hein, donc, mais ça m'aurait plu, hein, vraiment. Voilà. Toi d'ailleurs, c'est un fléau, mon cher Jean-Luc, parce que ton exemple touche énormément de gens qui, malheureusement, de par leurs parents qui ont décidé autrement de l'avenir de leurs enfants, combien ont coupé l'élan sous le pied de leurs enfants qui avaient des rêves et qui ont dit non, c'est pas ce chemin-là pour toi que j'ai décidé, c'en est un autre. Et c'est une grave, 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 grave erreur que les parents font, hein, en essayant que leurs enfants réalisent leurs rêves. Non, mais ça, c'est très grave. Donc, tu vois, c'est dommage que ta maman t'ait pas laissé faire. Toi qui es passionné de danse, tu aurais peut-être eu une grande carrière au Lido. Tu vois ? Oui. Mais bon, des fois, c'est le chemin. Bon. Des fois, c'est le chemin. Une carrière, disons qu'au Lido, on ne fait pas une grande carrière. Hein. C'est comme... Excuse-moi. Disons 10 ans, une dizaine d'années, hein, parce que c'est surtout des jeunes qui prennent, hein, enfin des gens qui sont entre 18 et 25 ans, hein, enfin à l'époque, hein, c'était comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que aussi j'avais une autre passion, hein, une autre passion qui est la natation, hein, aussi. Et à l'époque, j'étais même vice-champion des Flandres. UZEP, en natation, hein. Mais j'ai pas pu faire sport études parce que j'avais pas le niveau dirons-nous le niveau pour rentrer, quoi. Intellectuel, ouais, hein, on pourrait dire intellectuel de truc, mais en sport j'étais pas fait à pas de couture. Donc voilà, et tu devrais pas, enfin, franchement, il devrait avoir demandé plutôt des compétences sportives que des compétences intellectuelles. Parce que là, c'est toujours pareil. Compétences intellectuelles. Attention, l'intellectuel de l'école, hein. Hein, Jessica? Oui. Hein, Jessica? Oh, je te répondrai dans 5 minutes, t'inquiète pas. Okay. Franchement. Non. Oui. Ah, ouais, hein. C'est dommage, les barrières, tu vois? Les barrières. Non, mais. Ouais. C'est incroyable. Enfin, bon, ben, ça, on en sur toi, mon Jean-Luc. C'est bien ce petit partage. Merci. Oui. Ok. Allez, je vais vous souhaiter une bonne journée, une très bonne journée. Hein. Ben, de toute façon, soyez confiants. Un bon week-end de Pâques. Hein. Hein, merci. Faites confiance à l'univers, hein, qui va nous remettre d'aplomb, comme on pourrait dire, hein, nous battre. Sur le bon chemin, on pourrait dire. Hein. Voilà, hein, nous remettre sur le bon chemin, hein, au fur et à mesure du temps. Hein. Bon, il faut encore être patient, bah, bien sûr, mais tout ne se fait pas en 5 minutes non plus. Hein. Mais il faut se remettre à zéro, comme on pourrait dire, et repartir dans le bon sens. Voilà, hein, dans une sérénité et une confiance parfaite. Voilà. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci, Jean-Luc. Bon week-end de Pâques à tous. Bonne journée à tous. Et puis, soyez confiants. Et on avance dans la bienveillance, dans la paix des cœurs et des esprits. Voilà. Au revoir. Gros bisous, Jean-Luc. Merci. Au revoir.
Tout à fait. D'ailleurs, à ce propos, Lali, et tous les amis, ce week-end de Pâques, 3 jours, on sera moins en live. Peut-être que Lilou vous fera des lives, enfin bref. Prenez le temps, moi je vous invite. Alors, il y en a qui l'aiment pas, hein, parce qu'elle a une approche qui est un peu particulière, mais enfin, ce qu'elle partage est magnifique. Arwen de la Réo fait des podcasts sur l'éducation. Elle en est à son 9e. C'est passionnant. Moi, je vous dis, les amis, allez écouter. On s'est trompé depuis le début. Enfin, la façon dont on a cru qu'on faisait bien d'éduquer nos enfants, tout ça, c'est à côté de la plaque totale, les amis, totale. Enfin, moi, j'entends tout ça. Hein. Moi, je trouve ça passionnant aujourd'hui que, voilà. Allez écouter Arwen de la Réo sur les podcasts. Ça s'écoute comme une radio, les amis, franchement. Vous faites votre petite activité à côté et allez écouter sur l'éducation, je vais vous dire. Ah, ça fait du bien à entendre. Et ouais, ça va en remettre, ça va en recadrer certains. Donc, oui, Jessica, tu es là avec nous, c'est pas pour rien, ma belle, hein. Donc, études de médecine. Bon. Écoute-moi, Jessica, je suis désolée, hein. C'est vrai qu'ici, tu vas souvent avoir l'oreille qui. Ça va te faire drôle parce que franchement, moi, je dénonce tout ça. Je dénonce. Tu sais, le formatage, le conditionnement, justement, les études de médecine t'emmènent dans le mur total. Je suis désolée, ma belle. Ah, je suis désolée. Parce qu'aujourd'hui, on te fait croire que c'est par la chimie qu'on va avoir des résultats, s'il te plaît. Ils ne comprennent rien au corps humain. Est-ce qu'on te parle de plusieurs corps? Est-ce qu'on t'a déjà expliqué que l'être humain a plusieurs corps, par exemple? Oula, nous sommes des êtres multidimensionnels, cher ami. Il faut déjà comprendre bien ça, Jessica. Tu sais ce qui est le plus difficile? C'est pour ça que tu es jeune encore, tu as encore le choix. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que le plus difficile à l'âge adulte, c'est de déconstruire nos croyances. Ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a martelé, formaté dans la tête. Hein? Après, pour te l'enlever, c'est compliqué, tu vois. Le genre de discours que j'ai, après, t'horripile, parce que toi, tu dis, mais de quoi? Comment, pasteur l'imposteur, c'est un maître en la matière. Comment c'est possible d'entendre un truc pareil? Mais oui, parce que tu crois tellement à tout ce qu'on t'a raconté. Mais c'est, renseigne-toi, je te demande juste d'ouvrir ton esprit, ma belle. Ouvre ton esprit et intéresse-toi. Ne dis pas de suite, non, c'est n'importe quoi, vous êtes fou. Non, 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 non. Renseigne-toi, hein, et voilà. Écoute un petit peu ce qui t'est proposé, Béchamp, tout ce qu'il a fait, ses travaux. Il explique, c'est très clair, hein. Après, tu te fais ton avis, mais ouverture d'esprit, hein. Parce que, alors, l'école de médecine, franchement, au secours. Quand tu vois aujourd'hui les médecins qui ne prennent pas du tout de gants pour parler à leurs malades, hein, qui quasi les condamnent et s'avouent, font des aveux d'échec extraordinaires, énormes, à dire, vous êtes condamné, on ne peut rien faire. C'est ça la médecine d'aujourd'hui? Non, c'est insupportable. Il n'y a plus de bienveillance, il n'y a jamais eu d'humanité, et ça commencerait par là, normalement. Les études de médecine devraient commencer par là. L'approche qu'on a avec le patient, hein, l'encourager, lui faire qu'il ait le moral. Pas du tout le condamner, le rabaisser, lui faire penser qu'il n'a pas le choix et qu'il lui reste que 6 mois. N'est-ce pas? Ah, je suis désolée, je suis animée. Ah non, parce que ça, c'est pas possible. Faut justement faire autrement. Nous sommes des êtres multidimensionnels, oui, Samira, tout à fait, merci. Yannick, how are you? Good, 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 my dear friend. Good, I'm feeling very well. Sorry, it's 4 o'clock in the morning. Bon, ben dis donc, t'as pas dormi, t'es tombé du lit. Non, oui, j'ai dormi quand même. Je me suis arrêté plus tôt hier. Parce que je reviens de la Californie, je retourne dans le Texas et j'ai ce chargement à livrer dans la matinée et reprendre un autre pour ce soir. Alors, il faut que je bombarde, quoi. J'ai pas le temps de. On a que 10 heures de break, hein. 10 heures Et ouais. d'arrêt. D'accord, Après, d'accord. tu peux t'arrêter plus longtemps, mais bon, il y a un truc que les gens ne savent pas, je n'ai jamais compris, spécialement les gens qui habitent dans les grandes villes, parce que les gens qui habitent dans les grandes villes, je pense qu'ils ont leur état d'esprit ailleurs, ils pensent qu'en partant plus tard pour le boulot, ils vont gagner sur le temps. Le temps perdu, tu ne le rattraperas jamais. Ce qui est perdu est perdu. Et les gens ne comprennent pas ça. Alors, tu te lèves plus tôt et tu arrives en temps voulu. J'ai toujours dit ça, malheureusement, dans les grandes villes, comme en France, comme aux États-Unis, partout, il y a toujours des accidents, des gens qui meurent, voilà, stupidité. Voilà, par exemple, moi, je conduis une semi-remorque, quand tu es sur la route,
Et bon, maintenant, je suis quand même à 140, 145 km/h, tu vois. Il y a des voitures, des abrutis qui vont passer devant. Bah oui, mais t'arrêtes pas une semi comme ça, tu vois. Juste pour parce qu'ils veulent gagner du temps sur leur boulot. Le boulot n'est pas important qu'on prenne ta vie ou la vie d'un autre. T'es en retard, t'es en retard. Moi, c'est comme ça. Je ne vais pas me fracasser ou tuer quelqu'un que je regretterai le reste de ma vie. Ça ne sert à rien. Voilà. Alors, tu te lèves plus tôt et tu arrives en temps voulu. Tu vois. C'est une question de logique. Mais néanmoins, je te remercie de cet appel. C'est une femme qui m'est très chère à mon cœur. C'est une ancienne petite amie que j'avais quand j'étais à Bordeaux, que je suis parti aux USA, je l'ai laissée là-bas. Et c'est un très, très grand regret. C'est une personne qui me manque énormément. Et je sais j'espère qu'elle a encore envie. Dernièrement, elle habitait sur Bordeaux, je savais. Elle travaillait pour la police, c'est ce que je sais. Alors, on a deux amis du chat qui habitent à côté, voire même le village dont tu parles. Donc vraiment, on a peut-être une chance. Tu te rends compte un peu? C'est magnifique, franchement. Ah oui, c'est magnifique. Alors, Guillet, c'est ça? Ribérac. Guillet, oui. Oui, Karine Guillet qui habite à Ribérac, c'est ça. Voilà, elle habitait à Ribérac. Je ne sais pas si c'est à Ribérac ou à Bordeaux, mais dans la région. Mais sa sœur était là-bas, sa mère était là-bas. Mais sa mère, je sais qu'elle est décédée parce qu'elle était vieille à l'époque. Mais je pense qu'il y a encore sa famille là-bas. D'origine, elle est de Blanc-Ménil de Paris. Elle a une sœur qui était là-bas à l'époque. Mais je sais qu'elle est toujours sur la région bordelaise. Pour ça, si quelqu'un dans ton chat peut me la retrouver, j'apprécierais du fond du cœur. C'est une personne qui m'est très chère et que j'aimerais retrouver. Écoute, en tout cas, la bouteille à la mer est lancée. Nous avons entendu ton cri du cœur. Maintenant, on va voir. Tu vois, Julie, c'est un truc que j'admire avec toi. Bon, déjà, tu as un bon sens d'humour sur tous les sujets. Hein. Même s'il y a des gens, je vois qu'il y a des gens qui te mettent en colère par rapport à ces sujets. Mais bon, néanmoins, par rapport à ton chat, tu vois, on peut se servir de cette technologie pour arriver à retrouver quelqu'un. Spécialement une personne comme moi qui est à l'autre côté du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est un outil extraordinaire, Internet. Voilà. Ah ben ça, je veux dire. C'est magnifique. Hein. Bien sûr. Exactement. L'entraide. Par contre, je vais te dire une chose. Encore une fois de plus, je n'incite pas les gens à croire ce qu'ils ont envie de croire. Je dirais simplement qu'il y a une chose qui faut être logique, c'est comme tu dis, l'Holy Spirit. L'Holy Spirit, c'est tout ce qui est spiritualité. L'être humain a une capacité énorme au niveau du spirit. C'est-à-dire que les médecins, les scientifiques, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ton état d'esprit est plus puissant que ton corps humain. Il y a un être humain qui avait expliqué dans des médias parce qu'il ne comprenait pas. C'est Bruce Lee. On l'appelait Bruce Lee, le karatéka, le kung-fu. Oui. Et il était interviewé par ce journaliste américain. Il dit, mais comment un petit bonhomme comme vous, parce qu'il n'était pas gros, il était maigre, hein, mais que des muscles, autant de puissance. Ça ne veut rien dire, voilà. Points, bien sûr. C'est simplement, ce n'est pas votre corps humain, c'est votre état d'esprit. Tout vient de là, tout vient de l'état d'esprit. On utilise dans le corps humain, en nous les humains, on n'utilise même pas 10% de capacité spirituelle pour être plus fort. Si on utilisait avec au moins 50%, on ferait des choses inoubliables. Exactement. Et ça a été prouvé. Mais les docteurs, les médecins, les soeurs des médecins, ils vont dire non, mais c'est des fous furieux. C'est pas des fous furieux. On en a des exemples des gens qui ont fait ça. Le truc, c'est que chacun croit ce qu'il veut. Le problème, il est que quand tu restes sur la Bible, il écrit on t'entend plus. Pour nos... Ça bug. Ah voilà, c'est bon. Tu m'entends? Ben, pas très bien. Il n'y a que par lui que tu auras parlé, comme il dit la Bible. Okay. Le problème, c'est que nous, on a trop d'orgueil. On regarde trop pour nous-mêmes. On regarde trop par le matériel. Ça capte plus, là, Frenchy. Tu as dû bouger. On t'entend plus. Allô, allô? Ah là là, c'est inaudible. On est à poil et on meurt à poil. Ça, j'ai entendu.
Ça grésille vachement, oui. On a entendu la fin. Ouais. Tu as raison. Bruce Lee. Non, mais tout à fait. On nous a trompés. Total. On nous a trompés. Exactement. Alors, par contre, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle qu'il y a une loi qui est passée en Floride. Ah, ce gouvernement est super. Les gamins de moins de 15 ans n'auront aucun accès sur tous les social médias sur Internet. Ça sera interdit, ça sera bloqué. Aucun vax, c'est-à-dire qui aura accès. Non, d'accès sur Internet. Les social médias, Facebook, Twitter, YouTube. Ouais. Je t'entends très mal, hein. Ils n'auront plus aucun accès à Internet. J'ai bien compris. Oh, putain. Ah, c'est dommage, hein. Oui. Les enfants de moins de 15 ans n'auront plus le droit, il y a une loi qui a été faite, d'accès SD sur tous les social médias, Facebook, Twitter, YouTube, tous les social médias. C'est interdit, ça sera bloqué. Ça va être bloqué sur tous les jeunes gamins. Pour la raison laquelle il y a trop de pédophilie, c'est terminé. Terminé. Ils ont décidé ça, ils ont dit que ça sera considéré comme un crime. C'est-à-dire que les gamins aussi à partir de 10 ans seront jugés comme des adultes pour des crimes horribles. Voilà, c'est-à-dire que c'est jusqu'au niveau même d'avoir la peine de mort. Voilà. Ah bon, gamins, d'accord. Il y a pas longtemps. Francis, une horreur le son. Non. Où tu reviens dans une autre location. Putain, je t'entends très mal, c'est vraiment désagréable. C'est dommage, hein. Oh. Tu verras, tu réécouteras, le rendu, il est terrible, là. Merci, monsieur, j'ai entendu la même chose. C'est pas plus mal. Ah, voilà. Donc, je suis désolée, Franchi. Donc, voilà, plus d'Internet, enfin, pas de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Ben, tu sais, c'est déjà un peu la règle. Sur certaines plateformes, mais les gamins, ils inventent, ils écrivent qu'ils ont 18 ans, tu vois. Il n'y a pas de vérification vraiment, quoi. Il y a déjà un petit peu cet encadrement, si je puis dire, mais enfin, bon. Bref. Oh, bon, notre Frenchie reviendra peut-être courant de la matinée, les amis. Ah non, il est là. Je ne sais pas ce qui se passe. Frenchie, reviens quand tu auras une connexion, parce que là, c'est vraiment inaudible. Ouais, c'est horrible. Ouais, c'est dommage. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, non, Didier, c'est pas de plus accès à Internet, c'est pas accès aux réseaux sociaux. Là où, du coup, il y a, hein, évidemment, tous ces pervers vicelards qui sont là à se faire passer pour je ne sais qui pour avoir la main sur nos gamins. À nous, parents, d'être très, très vigilants, hein, tout à fait. Mais je pense qu'après, derrière, il est là, Didier, super. Coucou, Didier. Ah bah dis donc, c'est rapide, là. Ah ben, bah, c'est du tac au tac. Attends, je vais m'installer dans le canapé. Même pas le temps. Allez, ah non, mais t'as vu, c'est ça. Comment vas-tu? Mais ça va, très bien, très bien. Je vais partir en week-end là bientôt. Tu pars en retraite? En week-end, j'ai compris. Ah oui, non, en week-end. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end de Pâques? Je vais pas loin d'Alès, à la frontière du Gard, des Cévennes et de l'Ardèche. Excellent! On ne sera pas loin. Tu oses aller quand même dans les Cévennes, là, avec ce temps qui nous annonce. T'as bien raison, t'es courageux. Écoute, de toute façon, je n'ai pas le choix parce qu'il faut aller chercher la maman de ma compagne. Et on la ramène parce qu'elle habite moitié d'année là-bas, moitié d'année ici à Antibes. Donc on va la chercher. D'accord. Pas le choix. Oh ben vous allez vous régaler, hein, parce que voilà, là en ce moment, en plus, début du printemps, c'est beau. Cette nature. C'est magnifique. Je voulais passer à Saint-Dréséry aussi, aller voir ma maman, mais ça va être un peu plus compliqué. T'es pas loin. Ouais, à l'aide de Dréséry, il y a quand même une bonne heure, une heure et demie, mais enfin. Ouais. Une heure vingt par l'intérieur. Je verrai bien. Super. Alors hier, j'ai pas écouté la canalisation. Tu viens nous en parler ou pas? Alors, je vais pas en parler parce que c'est quelque chose qui s'écoute. Oui. Je vais la... Moi, je l'ai écouté que ce matin parce qu'hier, je devais aller dîner avec des amis.
J'avais écouté les premières 15 minutes et puis je suis parti. Mais je vais le mettre sur mon mur et puis je vais te l'envoyer par sur ton Messenger si tu veux le lien. Ah, volontiers, volontiers, bien sûr, bien sûr. Très puissant. Mmh. Ça remue, hein. Par contre, ça brise toutes les croyances. Hein. Il est temps, il est temps. Bah, peut-être que je le partagerai aux amis ensuite, hein, bien sûr. Il faut, hein, c'est l'heure, hein, de remettre tout en question, les amis. Nous sommes dans ces temps. Ouais, mais je pense que tu sais quoi, fais-toi le filtre quand même. Tu décideras après si tu le mets ou pas parce que c'est violent quand même. Hein. Même ici, beaucoup de gens que j'entends, ça va les remettre en question solidement. Après, on n'y croit pas. Hein. De toute façon, c'est pas, ça vibre. Comme tu disais tout à l'heure, ça vibre pas. Mais, c'est ça. C'est plutôt une question de vibration, de résonance. Il y a des choses, on n'arrive pas. Des fois, ça. Ils ont beau moi, c'est souvent. Il m'arrive de discuter avec quelqu'un, puis ils ont beau expliquer par A plus B leur machin, leur truc. Ça résonne pas. Pour moi, c'est. Et puis après, tu te rends compte que tu comprends pourquoi ça résonne pas, que c'était pipeau total, malgré les arguments. Et parfois, c'est le contraire. Parfois, tu dis, ah ben, tout compte fait. Il avait peut-être pas si tort que ça. Ça m'est déjà arrivé, ça. Au moment même, non, ça vibrait pas. Et puis, quelques temps après, ah ben oui, en fin de compte, il m'avait dit ça ou elle m'avait dit ça. Et c'est vrai que. Et là, maintenant, ça vibre. Donc, il y a. Voilà. Ouais, rien. Dans l'inverse aussi, c'est plus rare. Mais bon. Comme on dit. Moi, je voulais monter aussi parce que je voulais m'adresser aussi un petit peu à Jessica. Déjà, moi, je la félicite d'être là et de je ne sais pas si elle est encore là, de dire ce qu'elle pense et d'être toujours là parce qu'elle aurait très bien pu dire c'est quoi cette bande de débiles mentaux et ne plus venir. Donc elle continue quand même à écouter et ça prouve déjà que c'est une personne très intelligente et très ouverte. Maintenant, moi, je vais lui parler de mon expérience parce que j'ai fait toute ma carrière dans le médical, dans le pharmaceutique. Et donc j'ai fréquenté ce milieu de très très près. J'ai compris que j'étais dans ce milieu pour œuvrer. J'ai pas touché aux médicaments. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les produits naturels en pharmacie, j'ai implanté une gamme qui s'appelle Aragan, qui consistait à mettre de la gelée royale, des probiotiques, tout ça dans les frigos. Et donc maintenant, dans les pharmacies, vous avez des frigos dans les espaces de vente. Et voilà, moi, j'ai implanté cette gamme dans tout le sud de la France, en Belgique. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai touché la pharmacie. Et pendant des années, j'ai aussi été commercial chez Vitry. Alors Vitry, c'est plutôt pour les femmes, c'est les soins des ongles, peut-être que vous connaissez ça aussi. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis après, avec les chirurgiens esthétiques, les médecins esthétiques et tout ça. Donc j'ai vraiment touché ce milieu de façon très 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 profonde. Et avant ça encore, et c'est là où je m'adresse à Jessica, avant ça encore, j'ai travaillé dans l'événementiel et avec la fille de, enfin avec la mère de ma fille, ça va être plus simple. On avait une petite boîte de création d'événements. Et en fait, en Belgique, lorsqu'un médecin termine son étude, il demande son numéro INAMI. Donc, ça veut dire qu'il est médecin. Et je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais en Belgique, ça s'appelle comme ça. Peut-être que ça a changé aujourd'hui, hein, parce que je vous parle de ça il y a 25-30 ans. Et en fait, la première chose, nous, ce qu'on avait fait, on avait monté ça prend du temps à voir ça. Ça prend du temps et il faut aller à Bruxelles. Alors, ceux qui sont de Liège, de Gand, de Bruges, de partout, c'est un petit peu embêtant quand il faut prendre le train, on n'a pas toujours d'argent et tout ça. Donc, on avait fait un événement avec un laboratoire. Si vous voulez, l'excuse, c'était on s'occupe d'avoir votre numéro d'INAMI en 3 heures, 4 heures, et pendant ce temps, vous passez votre temps avec le laboratoire. Et c'est ça que je veux faire comprendre à Jessica. C'est que toute ta vie de médecin, du début jusqu'à la fin, tu vas être lobotomisé par tous les laboratoires. Ce n'est que ça. Par exemple, pour la vaccination, on parle 8 heures
sur la vaccination et sur les virus. Tout le reste est appris par les laboratoires. C'est les laboratoires qui conditionnent du matin jusqu'au soir les médecins. Donc ça, il faut qu'elle comprenne. Elle n'aura aucune liberté, quoi que ce soit, de prescrire ce qu'elle a envie ou ce qu'elle pense être bon. Ça, il faut vraiment le comprendre, ça. Parce que c'est ça, ça va parce qu'aujourd'hui, ça va aller plus loin, ça va être des programmes qui vont avoir dans leur ordinateur, ils vont taper les symptômes et il va sortir ce qu'il doit faire. Donc, il n'y a même plus besoin de faire des études de médecine, n'importe quel pecno, entre guillemets, peut être médecin demain. Parce que tout sera digitalisé. Alors, je ne parle pas évidemment des spécialisations, hein, ça c'est autre chose. Là, on est dans un autre domaine. Moi, je parle du médecin classique. Et ça, il faut vraiment l'entendre. C'est pareil pour les pharmaciens. Moi, j'ai travaillé pendant des années avec les pharmaciens. Les pharmaciens, ils sont gavés, mais vraiment gavés. Et il faut savoir que tous les conseils qu'ils vous font, il y a des chèques cadeaux derrière. Donc, vous allez, par exemple, rentrer dans une pharmacie. Vous allez, par exemple, vous avez un problème de peau. Dites-vous bien que la personne qui est devant vous ne va pas vendre de produits qu'il vous faut, mais elle va vendre de produits sur lesquels elle va toucher des chèques cadeaux. Évidemment. Les médecins, c'est pareil. Mais évidemment. C'est terrible. Pas ça. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, il faut savoir, moi j'ai vu plein de produits en pharmacie qui étaient des produits extraordinaires et qui ne se vendaient pas. Et les produits de merde se vendent comme des petits pains. Et je suis désolé, la plupart des produits, la plupart de ces gros laboratoires, c'est des produits de merde. Mais vraiment, je pèse mes mots. Et le nombre de produits qui ont été rappelés parce qu'il y avait des effets secondaires terribles, parce qu'il y avait, je veux dire, attends, nous ici, Sanofi, tout ça, je veux dire, ils en ont, hein. Il y en a des dossiers. Tous ces gros labos, évidemment. Les royalties, oui. Oui, c'est ça, les royalties. Pour les médecins, c'est les voyages, c'est des séminaires, des soi-disant pseudo-séminaires. C'est pas des séminaires, c'est des vacances. C'est des vacances. Vacances déguisées, parce qu'il y a une loi qui est venue qui disait que c'était fini, nanana. Bah, très bien, on va faire des séminaires alors. Mais tu le vois l'approche. Moi, je sais qu'à l'époque, on avait des médecins de campagne, de village, quoi. Et ils prenaient le temps de te consulter, ils prenaient le temps de discuter avec toi, tout ça. Moi, je te parle de ça il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, non, mais il faut voir. C'est l'impression d'être à l'usine, quoi. Allez, hop, 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 machin. Et encore, quand ils veulent bien te prendre l'attention, le machin. Et puis, c'est direct l'ordonnance et on te prescrit des antibiotiques. Et ils sont là. Et t'as une liste comme ça. D'ailleurs, on a tous des pharmacies chez nous à dégueuler les enfin, moi, j'ai fait le tri, mais bref. Non, il y en a qui nous cherchent la petite bête, là. Hein, tu cherches la petite bête, Fabrice? On n'est pas en train de te dire que tout est faux. Déjà, là, on parle de la médecine générale, on ne parle pas des spécialistes, déjà, Fabrice, s'il te plaît. Non, on n'est pas en train de dire que tout est faux. On dit qu'on a bien été pris pour des cons, ça, c'est clair. Excuse-moi, fini, Didier, hein, je t'interromps. Pas de souci, je te laisse répondre, tranquillou. Moi, de toute façon, 35 ans, 30 ans d'expérience, je sais de quoi je parle. Donc voilà. Il y a pas longtemps, j'ai voulu lancer un produit parce que je pensais que les vétérinaires étaient un petit peu protégés de ça. Et donc, j'ai voulu lancer un produit avec une amie pour les effets secondaires des chiots lors de la poussée des dents qui sont assez nombreux. Et donc j'ai discuté avec des gens qui sont dans le parce que moi j'ai touché pendant 6 mois pas plus il y a 25 ans dans ce milieu-là et il m'a expliqué le milieu, il est complètement perverti aussi, c'est devenu la même chose que les pharmaciens. C'est du fric, du pognon, du pognon et du pognon. Il n'y a plus rien d'autre qui compte, c'est un truc de dingue. Et je pense que la seule façon aujourd'hui qu'on peut encore essayer de trouver des bons médecins, malheureusement, il faut taper sur cette vieille génération, essayer de trouver des médecins qui ont 40-50 ans et qui sont encore occupés, qui ont toujours leur cabinet. Et je pense que c'est probablement eux qui vont vraiment prendre le temps de vous écouter parce qu'ils sont beaucoup moins formatés que les jeunes d'aujourd'hui. C'est vraiment une catastrophe, quoi. T'as vraiment... Moi, j'ai un très bon ami qui est médecin, donc je passe par lui et avec moi, il fait le médecin. Enfin, de toute façon, je ne suis jamais malade. Mais autrement, si j'avais pas cet ami-là en tant que médecin,
Je ne sais pas où j'irai. On a l'impression. Moi, ce qui me touche le plus, à la limite, ils sont formatés, tout ça. Après, nous, on est plus conscients. Donc, à la limite, on leur dit oui, oui. Et puis derrière, on. Voilà. Mais oui. c'est leur. Il n'y a plus cette humanité. Ils ne sont pas bienveillants. Il n'y a pas de bienveillance. Ils ont face à eux des gens désespérés, malades, en souffrance. Et ils arrivent encore à en rajouter, quoi. Moi, tous ces exemples de médecins qui font que les patients repartent avec des diagnostics où ça va les conditionner à mourir. Parce qu'attention, quelqu'un qui va prendre une information pour vérité va conditionner son corps et après, c'est terminé. C'est pour ça que rien que dans la puissance du verbe, rien que ça déjà, ça devrait être déjà la base, il devrait déjà former là-dessus. On n'a pas une approche comme ça où on va condamner un patient ou lui dire on n'a pas de solution pour vous. Et aujourd'hui, c'est trop ça, quoi. Le patient derrière, il rentre chez lui dans un état, il se conditionne. On avait un commentaire tout à l'heure. Mais l'approche, ce manque d'humanité, de cœur, mais putain, changer de métier, les mecs. Ah, moi, je suis outré, quoi. Sans parler derrière que, voilà, c'est de la chimie. Allez, on vous donne des médicaments. Allez-y, bourrez-vous de médoc. Ou ça va vous peut-être soulager d'un côté, mais alors ça va vous détraquer de l'autre. Mais ça, c'est pas grave. Vous reviendrez me voir. Attends. Oh! C'est un petit peu le reflet de la société, hein. Tout ça, c'est ça. Mais là, il y en a ras-le-bol. On est à un tournant où il ne faut plus accepter ça et il vaut mieux faire autrement. Voilà, aller vers des gens bienveillants déjà et qui ne sont peut-être pas conventionnés, donc vous ne serez peut-être pas remboursé, mais en attendant, ce sera peut-être plus efficace. En attendant, je ne sais pas, mais il y en a marre. Très bien, généralement on tombe malade quand on baisse en vibration. Il ne faut pas oublier non plus que dans le mot maladie, il y a le maladie. Hein. Donc c'est, tout est dans les mots, hein, de toute façon. Il suffit d'analyser les mots. Et c'est ça qui est merveilleux dans la langue française, parce que moi je suis trilingue, je parle très bien l'anglais, puis je parle très bien le néerlandais, parce que je suis belge néerlandophone. Il n'y a pas ces jeux de mots en néerlandais, par exemple. Donc le français a cette chance d'avoir ce langage des oiseaux, comme on appelle ça. Oui. Très important. Et donc la maladie, c'est le maladie, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc quand on baisse ses vibrations, bah, c'est là qu'on est attaqué par le mal et c'est là qu'on peut tomber malade. Et c'est pour ça qu'il met toutes ses antennes et toutes ses merdes là partout autour de nous. C'est pour qu'on soit le plus possible mitraillé par ces mauvaises ondes qui de toute façon vont faire en sorte de nous baisser dans nos vibrations. Ça, c'est sûr. Mais c'est clair. Et puis, autre chose, c'est-à-dire qu'ils vont penser les mots, mais ils vont pas aller à la racine du problème. Jamais. Donc, vous n'êtes jamais guéri. On vous soulage, mais on ne vous guérit pas parce que l'approche n'est pas bonne. On va pas venir chercher d'où vient véritablement le mal, de l'émotionnel. On le sait, les amis. Les trois quarts des maladies viennent d'un choc émotionnel, de quelque chose qui n'a pas été, on n'a pas accusé le coup, quoi, hein. Voilà. Mais rien que ça, cette approche-là, il la nique totalement. C'est pas du tout le problème. Non, non. Vous avez été un mauvais élève, vous êtes sorti, vous avez dormi sans chaussettes ou cul nu. C'est pas bien. J'exagère, les amis, mais honnêtement, c'est la désolation. Je te jure. J'en arrive à. Moi, ce que j'ai appris aussi, c'est que quasiment quasiment 100% des maladies sont rien d'autre qu'une inflammation. Et en fin de compte, il suffit, entre guillemets, de guérir l'inflammation. C'est quoi une crise cardiaque? C'est une inflammation, hein, là-bas. Ce n'est que ça. Donc, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inflammation, ça doit être quand même quelque chose en 2024 qui doit être facile à faire, je pense. Et c'est pour ça que y a beaucoup de plantes. De toute façon, tous les médicaments aujourd'hui, toutes les molécules viennent des plantes. Donc, à partir du moment où vous avez la connaissance des plantes, vous n'avez plus besoin de ces médicaments. C'est fini. Puisque c'est que du synthétique. Et y a tout ce qu'il faut comme anti-inflammatoire dans la... On peut peut-être demander à Jean-Luc qu'il fasse une petite recherche là-dessus. Toutes les plantes anti-inflammatoires, ça peut être intéressant, ça. Bien sûr. Donc, ça lui donnera peut-être une idée, ça.
Donc, spécialiste aussi des plantes, Micha, Jean-Luc, on est gâtés, hein. Bien sûr, toutes ces plantes anti-inflammatoires, il y en a, hein. Mère nature est généreuse, tout est là. De toute façon, tout est là. Même quand j'ai été formée un petit peu dans la science du plasma, passionnant, hein, ça, c'est pareil, c'est médecine quantique. Pour vous dire l'intelligence, c'est qu'on est tous interreliés, c'est que dans nos jardins, nous avons les plantes spécialement spécifiques à nos maux qui poussent. Et ça, c'est d'une magie. Enfin, on appellerait ça de la magie, nous. Mais tout est complètement… Mais sauf qu'on ne le sait pas. Nous sommes ignorants à un point, les amis, de nos retours. Et des fois, nous avons simplement, en sortant de chez nous… Bon, sauf moi qui habite dans un immeuble, mais quand on a un jardin, pof, et vous tombez sur la plante. Et ça, c'est assez remarquable. Et au début, je me dis, putain, waouh, ah bon, c'est vrai. Mais vraiment, j'ai compris. Il y a eu des tas d'exemples qui m'ont ouvert les yeux. Je dis, waouh, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est très important ce que tu viens de dire là, on a tout dans le jardin, mais et là, alors, on va certainement me traiter de raciste ou tout ça, mais je ne suis pas du tout, mais alors là, vraiment pas. Nos corps sont, si on est né à un endroit, c'est parce qu'on on doit y être, on doit y rester. Je veux dire, quand un Africain, il ne va pas réagir de la même façon aux plantes et aux légumes qui poussent de façon originale ici. Et nous, pareil, en Afrique, on aura ce même problème-là. Et c'est pour ça qu'en fait, on devrait, entre guillemets, tous rester là où on est. De toute façon, si on est né là où on est, c'est qu'on l'a choisi, hein, c'est qu'il fallait être là. Pas des gens qui passent de la Belgique à la France comme moi des pays comme ça à côté, c'est pas ou la Belgique à la Hollande, c'est la même chose. Mais je parle vraiment de l'immigration d'autres endroits, d'autres cultures. Il faut vraiment réfléchir à ça aussi, parce que comme tu dis très bien, on a tout pour notre corps à l'endroit où on est né. Ah ouais, mais ça c'est remarquable, hein. Et vraiment, c'est même magique dans le sens où, par exemple, je sais pas, il nous arrive un problème, une problématique, on a une maladie qui arrive soudainement, un truc qu'on n'a jamais eu. Et ben, comme par miracle, dans le jardin, il va pousser une plante tout à fait nouvelle, mais ce sera peut-être une plante qui va être complètement adaptée pour nous, sauf qu'on ne le sait pas. On va passer à côté des dizaines de fois, on va peut-être même marcher dessus. Et pourtant, elle était là pour venir nous aider, nous soulager. Et ça, je peux paraître complètement farfelu de vous raconter ça. Mais je vous assure, les amis, ça dépasse l'entendement, tellement l'intelligence de tout. Et là, c'est remarquable. Moi, je vous dis, la nature est remarquable. Nous avons encore tellement à apprendre et nous sommes tellement encore loin du compte. Je vous assure, c'est grandiose. C'est pas pour rien. Après, on va entendre ces enseignements, mais enfin, ces enseignements, j'aime pas ce mot. Voilà. C'est pas pour rien qu'ils détruisent la nature. Et tu m'étonnes. Eh oui. Il la détruisent littéralement. Hein. C'est à rien à voir avec le réchauffement. Tout ça, c'est de la foutaise. Oui, il y a un réchauffement, mais il n'est pas assez cyclique. Je veux dire, c'est naturel, c'est normal, c'est comme ça. Il y en a déjà eu et il y en aura encore. Mais déjà, l'homme n'y est pour rien. Mais, en tout cas, la part de l'homme est de 0,001%, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment risible, c'est ridicule. Et par contre, il y a d'autres choses qui font qu'il y a un réchauffement, mais ça, bon, il en parle dans la cana, hein, il annonce, hein, ça arrive. Hein. Mais bon, et puis on le voit bien parce qu'ils sont tous en train de dire, tiens, il y a la Terre qui tourne moins vite. Alors, ils se contredisent parce qu'il y a d'autres journaux qui vont dire, ah, elle tourne plus vite. Donc, ça me fait rigoler tout ça. Voilà, bon, j'ai là. Mais du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Ça va. En tout cas, il y a réchauffement climatique, oui, tout ça. Bon, c'est pareil, tous ceux qui ont le discours, il faut qu'on agisse pour sauver la planète. Mais la planète, elle n'a pas besoin de nous. C'est nous que nous devons sauver. Parce que Mère Terre, il n'y a pas de souci, elle se régénérera. S'il faut balayer et secouer un petit peu, elle fera ce qu'il faut. Arrêtons de c'est nous que nous devons changer, sauver la planète, bien sûr, faire les choses en conscience, c'est primordial. Hein, arrêter de penser que Mère Terre est une poubelle, qu'on va pique-niquer, qu'on peut laisser tout partout. Tout ça, évidemment, c'est du savoir-vivre. Mais ce que je veux dire derrière, préoccupez-vous plutôt de vous que de la Terre qui va… Non, elle a fait et elle continuera encore, nous, on ne sera plus là, hein, il n'y a pas de souci, les amis.
Soyez-en sûrs. Exactement. Tout à fait ça. Mais ça, c'est encore de l'ego, ça. Hein. C'est je suis sauveur. Voilà. Les humains, mais c'est la Terre. Et puis, je ne m'occupe pas de moi parce que ça m'arrange bien. Je ne vais pas aller regarder. Je ne vais pas regarder. Moi, je ne me regarde pas. Non. Mais je vais regarder la Terre. Et ça, c'est les faux. C'est la faux bienveillance. Hein. Et il y en a beaucoup qui sont là-dedans, surtout dans le milieu spirituel. Hein. Il y en a énormément là-dedans. Il y a beaucoup de New Age, hein, comme on appelle ça, le New Age, c'est-à-dire de fausses lumières, hein, enfin, qui vous emmènent, qui vous font culpabiliser, qui vous font vous donner un rôle et qui. Enfin, bref, c'est vrai. Hein. Il faut être vigilant à vos discernements. C'est ça. Donc voilà. Et bien, écoute, ton témoignage formidable, c'est intéressant, hein, très très intéressant. Ça vient nous confirmer tout ça. Toi, tu as côtoyé tout ça de près et voilà, tu sais de quoi tu parles. Donc, merci pour ce témoignage ce matin. J'ai gagné énormément d'argent, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je n'ai jamais rien gardé. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, je n'ai plus grand-chose. Mais voilà, parce que j'ai vécu, parce que je veux vivre et parce que ça ne sert à rien d'aller garder de l'argent. Et de mettre de côté, d'enrichir des banques et toutes ces conneries-là, ça n'a aucun sens. J'ai vraiment œuvré et aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que je ne suis plus dans ce milieu-là. Et parfois encore, quand je vais dans des pharmacies, il y a des filles que j'ai formées qui me disent « Mais merci, je pense encore toujours à toi parce que tu étais un formateur, mais pas comme les autres, tu nous apprenais vraiment des choses ». Et tu nous apprenais les probiotiques, mais tu nous apprenais d'autres trucs à côté et qui m'ont servi dans ma vie. Et ça, quand tu entends ça, tu te dis, oh putain, mince alors. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis voilà, il ne faut jamais regretter d'être dans la vérité et d'essayer de transmettre ce que tu as compris. Au contraire, en face, ils prennent ou pas. Hein. Ça, après, c'est plus de notre ressort, si je puis dire. On n'oblige personne à penser ou à croire ce qu'on raconte, mais derrière, voilà, tu vois, tu as la reconnaissance de personnes qui t'ont dit un grand merci parce que ton discours fait du bien peut-être plus que et puis résonne plus, a plus de sens pour eux aussi. Et bien sûr, mais c'est ce qu'on m'avait toujours dit, mais toi tu es en pharmacie, dans le pharmaceutique pour œuvrer. Tout le reste c'est secondaire, tu es là pour œuvrer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Magnifique. Voilà, et puis aujourd'hui je recherche un petit peu ma nouvelle voie, on verra bien. Hein. Oh, t'inquiète pas, laisse-toi porter. La vie, faut y faire confiance. Elle te mettra là où il faut, au bon endroit, au bon moment. Là, elle te met au repos. Elle te met au repos, mais on est tous un petit peu en pause parce que je pense que les temps à venir, il va y avoir beaucoup à faire. Donc, si tu veux, hein ? Pardon ? Vraiment, vraiment dormir le plus possible, se reposer, si possible, faire le moins possible et effectivement. C'est vraiment. Je pense que oui, nous sommes dans ces temps où accueillons ces moments de pause hein, dans nos vies. Enfin, pour ceux qui le sont en pause. Hein. Mais voilà, parce que je pense qu'on a besoin de se recharger les batteries à max parce que demain, quand je dis demain, façon de parler, mais quoique, eh ben, on aura besoin de chacun d'entre vous, les amis, de votre belle énergie pour ce renouveau qui arrive, où on aura besoin d'huile de coude de chacun, à sa juste place. Hier, je me suis endormi très vite, je ne sais pas pourquoi, j'écoutais, et puis je me pose sur le canapé 2 minutes, et puis j'ai besoin de dormir, je me suis endormi, et je me suis réveillé au moment où, je ne sais plus qui, parlait du film là, qui est très bien. Ah oui, Los Angeles, 88, je ne sais pas quoi. Oui. Après-midi, j'ai vu Véronique, il faut le regarder, hein. Moi je vais le voir tout seul. Le voir, ouais. excellent. Je suis endormi et le soir à 18h, boum, je me suis rendormi jusqu'à 19h. Et pourtant, je ne fais jamais ça. Donc, il y a vraiment besoin. Il y a besoin. Et tu sais que quand tu dors, on télécharge énormément. Hein. On nous envoie beaucoup d'informations aussi, hein, les amis. Hein. On n'a pas conscience, bien sûr, mais il n'y a pas de hasard, les amis. Vous le savez, il n'existe pas. C'est pareil, moi, je m'endors très rapidement. Je vais me mettre un truc à écouter, mais je crois que au bout de 5 minutes, il n'y a plus personne. En ce moment, c'est comme ça. Ça n'a pas toujours été, mais c'est vrai. Ouais. Besoin de recharger les batteries. Hein. Ouais, c'est important. Donc voilà. Écoute, je t'envoie le lien sur Messenger. Ouais, voilà. Avec plaisir. J'écouterai ça, bien sûr. Merci Didier. Ouais. Tu décides si oui ou non tu le mets ou t'en parles ou pas. Voilà. Ça marche. Voilà. Très bien. Très bien. Bon week-end à tous.
Bon week-end à toi, profitez bien et puis bon week-end de Pâques, ouais. Profitez bien. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir, Didier. Merci pour ton témoignage, super. Merci. Belle journée, bon week-end. On a Yachou qui est là. Coucou Yachou, comment ça va? Super. Oh, le petit super. Oh, bah, c'était pas un super qui venait du cœur, ça, quand même. J'étais juste en train de respirer. Maintenant, tu vois super bien. Écoute. Ah bon? Ouh. Il était super bien, mais quand même, je cherchais des mots. Encore ce matin, regardez voir, j'ai écrit. C'est le résumé de ce que vous avez dit ce matin. Déjà, ouais, remarque, ça fait déjà 1h42. Ah, hein. Non, mais écoute, des fois, je me pose des questions parce que c'est bizarre. Mais je trouve, ne vous inquiétez pas. Alors, juste, je viens ce matin parce que j'en profite que c'est le vendredi saint. Et je vais profiter. Alors, ça ne prête pas à confusion parce que vous savez très bien qu'on est encore beaucoup dans les émotions et dans les trucs, dans les « il paraît », dans les soi-disant et dans les blablabla. Alors, je ne viens pas pour que ce ne soit pas, comment dire, pris du mauvais côté et ce qui va faire perdre le fil de ce qui est important à entendre. D'accord ? Passer une idée, on a la parole qui s'appelle, un support qui s'appelle la parole et chacun, mais c'est l'idée qui est importante. Ce n'est pas toujours vraiment les mots ou la façon, c'est surtout aussi l'idée. Alors, je vais essayer, encore une fois, parce que, tu sais, honnêtement, tu sais quand même, tous les matins, il y a énormément à dire. Et puis, ce que dit, c'est une mine d'or. Effectivement, par exemple, ce matin, déjà, bonjour à tous. Ça va très, très, très bien. Voilà. Alors, je voulais juste encore le répéter, puis de toute façon, je l'avais déjà écrit et puis c'est venu chez toi. Évidemment, Julie est un service public, d'utilité publique. Largement. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on n'a pas besoin de le financer à coup de milliards pour qu'il puisse tourner. On n'a pas besoin d'utiliser l'argent de notre labeur qu'on nous vole pour financer BFM Télé. Parce qu'il faut quand même rappeler que vous êtes obligé de payer ces crapules. D'accord ? Quand je dis crapules, excusez-moi, on est le vendredi saint, mais c'est mignon quand même. D'accord ? Parce que largement supérieur à tout ça. Ah, et ce matin, vous avez parlé du nœud pas. Alors moi, je vais essayer... mais je l'ai écrit juste à la fin, donc j'ai intercalé dans mes trucs. Vous avez parlé du ne pas. Et moi, je vais essayer de vous recentrer. Je pense que je vais y arriver. Et j'ai eu une petite parenthèse hier, tu sais, il y avait des personnes qui venaient avec des maladies, etc. Et puis, l'apiculteur, qui lui se fait de temps en temps piquer, n'est jamais malade de toutes les maladies rhumatoïdes. Jamais. D'ailleurs, l'industrie pharmaceutique, elle tisse à l'entrée des ruches, deux petits fils sur comme des bas de femmes, tu sais. Et quand elles rentrent, des fois, ils mettent un coup de jus et l'abeille pique. Et ils récupèrent tout ça pour faire justement tout ce qui est anti-rhumatismal et tout ce qui gravite autour. D'accord ? C'est une réalité. Je ne pense pas qu'il y a un apiculteur qui va monter qui dit « moi, je suis bourré de rhumatisme ». Il n'y en a pas. Donc, faites-vous piquer. Allez, au début de saison, quand elle me pique, j'ai la main qui enfle, et puis tu as l'impression, tu sais, quand elle est enflée, qu'elle est. Hein, mais la deuxième fois, ça enfle, et la troisième fois, c'est bon, c'est passé. Mais j'avais déjà entendu ça, tout à fait. Une acclimatation du corps à tout ça. Voilà. Et alors ce matin, comme on est le vendredi saint, je voulais vous parler justement. On va dire que tout le monde parle de résonance et tout ça. Alors, j'en ai déjà souvent parlé, par exemple, le nombre d'or 1,618, qui est dans la nature, est un nombre de base. Par exemple, le symbole qu'il y a sur les véhicules de Toyota,
Il est exactement dans les rapports de 1,618, par exemple. Si vous prenez deux cartes bleues, vous les mettez trucs, vous prenez les diagonales, elles sont à 1,618. Si vous prenez les cathédrales, elles étaient construites sur le 1,618. Je vous signale que les cathédrales, quand elles ont été construites, il n'y avait pas de mètres. Combien de centimètres? 12,5. Non, il n'y avait pas de centimètres. Il n'y avait pas de mètres à l'époque. On a utilisé des rapports qui est le pouce, l'index, le poignet, etc., qui est dans le rapport de 1,618. Les charpentiers, même ceux qui n'est pas charpentier, quand vous construisez un toit, les poutres, elles ne sont pas carrées. Pourquoi on ne les fait pas carrées? Parce qu'on les a fait sur le rapport de 1,618, le format A4, etc. La fleur de tournesol, si vous allez l'observer, ou pour ne pas aller dans les champs, vous allez sur le net et vous verrez que vous avez les rapports de 1,618 dans la fleur de tournesol. Alors quand vous allez la regarder, elle est quand même très très complexe. Allez regarder une fois une fleur de tournesol, c'est voilà. Ah mais c'est une merveille. Impressionnant. Et c'est des petits détails. Par exemple, je vais vous demander par exemple pourquoi l'être humain, la température de son corps est à 37,5. D'accord? Pas comme ça par hasard. D'accord? Par exemple, on parlait de réchauffement climatique. La Terre, elle est juste bien inclinée pour qu'on ait nos quatre saisons qui sont dans les extrêmes positives et dites que partout finalement dans le monde, l'être humain puisse vivre. On décale un peu plus, c'est bon, on est dans les extrêmes, on ne peut plus y aller, on ne peut plus y vivre. D'accord? C'est plein, je suis très rapide, quoi. Encore une fois, pour notre... Mais prends ton temps, Yachou, c'est très intéressant. Tu peux prendre un peu le temps, il y a du monde, mais il est 11h-10, on a un peu le temps quand même. Par exemple, je pense que vous avez remarqué, mes très chères dames, que comme par hasard, le cycle de la femme correspond au cycle de la lune. Ah oui, c'est jour, bien sûr. Je ne dis pas que... admettons qu'il y a le hasard. Ok. Mais par exemple, maintenant... On va parler d'une éclipse, il y a l'éclipse bientôt, et je crois que c'est aux États-Unis qu'elle est totale. Et c'est quand un Américain, il est là, et il regarde tout ça, il va se rendre compte que le diamètre de la Lune est égal au diamètre du Soleil. Parce que quand ils vont passer devant, dans le cône, le grain de sable qu'il y a nous sur la Terre, on voit le cône, la Lune qui est à la distance, fait exactement le diamètre du Soleil, qui est des milliards de fois beaucoup plus grand. D'accord? Il y a plein de choses comme ça. Je tourne ma page. Hier soir, avant-hier, je vous ai parlé d'être prismatique. Oui. Eh bien, ce matin, vous avez rendu compte qu'officiellement, il y a sept couleurs dans l'arc-en-ciel. Oui. Il y en aurait plus. Ouais. D'accord? C'est une forme de langage. Et parlons de langage. Celui qui fait de la musique, il va dire il y a sept notes de musique. La musique est bien un langage. D'accord? C'est vrai, il y a sept fréquences. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oh putain, la voix. Le do et ça, c'est déjà. Sept chakras. C'est déjà bouclé. Alors. C'est une question de. Distance, mon cher ami, oui, tout à fait. Alors, oui. Et maintenant, pour que vous compreniez bien là où je veux vous emmener, alors je vous ai expliqué toutes ces magies de la vie, de ce monde qui, plus on va rentrer là-dedans, plus on va être émerveillé, pire que des gosses, sur cette grandiosité de cette planète. Là, vous n'allez pas me dire que c'est un hasard. C'est plus un hasard parce que. On se rend compte aujourd'hui, la technique, elle sait faire beaucoup de choses, mais on est encore très, très, très loin de tout ça. Et maintenant, je vais aller dans l'autre sens. On va parler, tu sais, de quelqu'un que j'ai vraiment à cœur, qui nous avait dit, il faut travailler plus pour souffrir encore plus. D'accord? Par exemple, regardez voir, vous avez parlé du changement d'horaire. Demain. Demain, hein? N'oubliez pas, mes amis. Pourquoi il y a ce changement d'horaire? Ouais. Je vous ai parlé de la lumière, nous sommes la lumière. Eh bien,
Pourquoi on fait le changement d'horaire? Pour pouvoir notre meilleur de notre lumière, de notre journée, on nous la décale pour qu'on puisse la donner à l'industrie. Il faut qu'on se décale pour pouvoir donner le meilleur, pas à nous, mais à l'industrie qui prend le meilleur de nous. Mais cherchez, vous allez comprendre. Je continue à tourner ma petite page. On a parlé de la dette de la France. Et si vous prenez votre petite machine à calculer, que vous faites 52 000 kilomètres, kilomètres carrés, que vous allez prendre le prix cadastral des terrains en France, ben vous allez tomber exactement sur le prix de la dette actuelle. Et comme il n'y a pas longtemps, et comme il n'y a pas longtemps, il y a eu une petite flambée des prix, et ben ça a permis, ça a obligé à cramer de l'argent pour que, en réalité, la France, elle est déjà complètement vendue au travers des crédits. Voilà, ça s'appelle brûler tout simplement. L'argent, il a rien fait d'autre. Voilà. Il a vendu des âmes au diable. On a parlé de médecine, de santé. Vous savez très bien que vos enfants aujourd'hui qui ont 20, 30 ans, ils sont beaucoup plus grands que la normale. D'accord ? Et vous savez très bien que l'être humain, il fait à l'époque 1m70, c'était la norme. Pourquoi ? Parce que ici, on a, c'est une toute simple pompe. Et dans cette harmonie de la vie, il faut emmener le sang en bas, mais quand il est en bas, il faut le repomper en haut. Et donc, c'est encore une fois comme les 37,5 de notre température, dans l'harmonie de la vie, et ben le cœur, c'est 1m70. Donc, nos jeunes, qui, par différents artifices, sont en moyenne beaucoup plus grands, vous le savez très bien que ce sont des cardiaques à l'état grand V. Voilà ce que je voulais dire encore. Et je continue. Ma petite. Voilà. Oui. Donc, je promets aujourd'hui. Oui. Je vous ai fait vibrer, je vais utiliser le mot vibrer aujourd'hui, hein, dans cette vibration colossale de la nature. D'accord? Où est-ce que je vais vous emmener? Pour aller une étape plus loin, je vais vous faire rappeler que le 23 septembre 2017, nous avons vécu l'apostasie au sens, on va dire, de la Bible, c'est-à-dire que globalement, nous allons prendre des valeurs de la vie autres que celles-là qui sont humaines. Tout le monde a compris que je parle de l'euro, dollar et du yen. C'est bien ce qu'il s'est passé. Hein, la crise de 2008, etc., a commencé du revers de la main de toutes les valeurs humaines. D'accord ? Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Avant, je vous ai parlé de la beauté de la nature, d'une vibration qui, comme ça, de but en blanc, on ne la sent pas, mais elle est là. Et là, pourquoi aujourd'hui, finalement, on est chez Julie ? Parce qu'on s'est rendu compte, là, on se rend compte que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes ces vibrations. Et bien, comme la décomposition de la lumière, les sept couleurs qui sont en harmonie de façon, un joli spectre bien plat, uniforme qui va dans la partie visible, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre, plus petit, plus fort, qui crie moins fort, l'autre qui… D'accord ? Et bien, qu'est-ce qu'on a créé ? On a créé dans cette nature qui est intérieure à nous un déphasage. Et ce déphasage, si on fait par exemple de l'électronique, hein, d'accord, eh bien, peut provoquer des avalanches d'énergie. D'accord ? Et ces avalanches d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement, au point de vue humain, une dépression. D'accord ? Et je tourne vite ma phrase parce que, alors comme j'ai parlé d'électronique, il y a beaucoup de gens qui, je pense que beaucoup savent ce que c'est qu'un circuit RLC, résistance, selfique et capacitif. Et alors, si on commence par changer les valeurs, on peut faire, par exemple, une résonance où ça fait un court-circuit. Ça,
c'est la dépression au niveau de l'être humain. Donc, on peut avoir quand on fait des déphasages dans notre propre nature, on génère une dépression. Et vous avez remarqué que, encore, je crois que j'ai entendu personne parler d'une nouvelle maladie qui s'appelle le burn-out. Oui, tu as raison. Excusez-moi. Et bien là, dans le circuit RLC, les gosses qui font le bac, ils connaissent tout ça, on appelle ça un circuit bouchon. Circuit bouchon, ça veut dire ce que ça veut dire. L'énergie reste là. Et bien voilà. Et bien ça donne les burn-out qui, il y a 20 ans, ça n'existait pas, le burn-out. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? D'accord? Oui. On est bien dans cela. Où est-ce que je voulais vous emmener? Je reviens un petit peu en arrière. Avant que je vous parle de ce déphasage, etc., l'inculcation de travailler plus pour souffrir plus, ça sera le sujet peut-être d'une autre fois. Alors, je vous laisse interpréter. Et ce que je ne vais pas vous dire, je vais aussi vous laisser un petit peu de travail. Comme on est le vendredi saint, ce recueillement à soi-même et ce recueillement aux vraies valeurs humaines. Aux vraies valeurs humaines qui ne sont pas l'euro-dollarienne. Parce que, en quelques phrases, je vous ai expliqué les résultats. C'est bien ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre un déphasage de tout ça qui crée justement ces phénomènes. À nous de les remettre, à nous de chercher les vraies valeurs de la vie. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, autour de moi, il y a des personnes qui ont des grands problèmes. Et des fois, moi, et je ne vais pas utiliser le mot aider, ce n'est pas aider. Parce que, je ne sais pas, j'ai un téléphone qui traîne, je lui donne, et du coup, il a le sourire. À moi de ce bout de matériel, de lui céder. Ce n'est même pas lui donner, ce n'est même pas l'aider, juste lui céder. Parce que je l'ai ou je ne l'ai pas, à la limite. Et pour lui, il me donne un sourire. Et donc, quand on va chercher ces vraies valeurs de la vie, on va se rendre compte que les uns et les autres, même pas aider, je ne vais même pas utiliser le mot aider. Parce que déjà, aider, c'est déjà se faire mal. Ne fais pas de bien, on ne te fera pas de mal. Mais se compléter, c'est même pas aider, c'est se compléter. Et là, comment dire, les vibrations, on va dire, que vous utiliserez, elles arrivent. Voilà ce que je voulais pour ce matin. Vous avez tout dit. Alors, vous avancez. Il y a des personnes qui parlent. Je crois que c'est notre Américain. Yannick, on est entouré de quelque chose qui est très puissant. Il faut qu'il revienne. Il travaille pour moi. Il faut qu'il continue à aller plus loin. Hein? Je répète, ce n'est pas ici qu'on est fort. Ah non, ça c'est clair et net. Voilà. Et donc, la fin, comme on est le vendredi ça, je vous recherche. Au fond de vous, quelles sont en réalité vos vraies valeurs et mettez-les en application. Quel beau conseil. Merci, Yachou. Quel beau partage. Un bonheur pour nos cœurs. On te souhaite un bon week-end de Pâques également. Très vite. Vous savez que moi, j'en ai deux week-ends de Pâques. Donc, un jour, j'ai l'orthodoxe. Hein. Ah ben oui, ah ben écoute, profites-en pour faire au nom de vos valeurs humaines. Ah, moi je me régale. Tu es un grand philosophe, cher Jean-Luc, merci. Justement, non. J'essaye de mettre en paquet pour que ça soit compris par un maximum de personnes. Oui, oui. Tout simplement. Oui. Et c'est une vague de temps moderne. Vraie chose de la vie. Oui. Ah, la nature, ce n'est pas moi qui l'a créée. Non, tout à fait. Je la décode, je l'interprète. Et on se rend compte, par exemple, comme dans la médecine, on se rend compte que effectivement, il y avait des gens qui sont venus un petit peu, tu l'as pris comme un petit peu un pic-pic. Évidemment, je ne dis pas que toute la médecine elle est fausse et archi-fausse, mais vous avez compris qu'aujourd'hui, la médecine, c'est monnaie. La preuve, dans cette avalanche d'énergie en résonance, on a piqué bêtement tout le monde,
sans se poser des questions, sans chercher à savoir si cette, dans cette piqûre, c'est vraiment un vaccin, si ça, dans cette piqûre, ça va vraiment faire quelque chose. Hein, je vous en ai déjà parlé. Avant le vaccin, en Suisse, les médecins des sociétés d'assurance, hein, parce que vous savez qu'en Suisse, c'est le système un peu différent, les sociétés d'assurance envoyaient un grand carton avec une seringue. Choisissez votre niveau de retraite. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Les sociétés d'assurance envoyaient aux médecins, plus vous allez piquer, plus vous allez banquer au niveau de votre retraite. C'est ça la réalité. Et là, le plus grand des chirurgiens au monde peut venir, ou le plus grand de... C'est une réalité, on peut lui mettre sous le nez. C'est un fait. Donc, l'argent a pris le dessus sur la vraie médecine. Et non seulement elle a pris le dessus, mais elle la déforme. Voilà. Ouais. Pardon. Merci, Yassou. J'ai pas tout écouté, puisque du coup, mais voilà. Merci. Voilà. Des gros bisous. Bon week-end. Et à très vite. À lundi? Lundi. Oui, lundi de Pâques. On sera là. Puisque je ne vais pas dans mes Cévennes adorées. C'est-à-dire en bas. Ouais. Excusez-nous, hein. On se retrouve. D'ailleurs même depuis dimanche, quand même. On se retrouve, les amis. Je vous parle avec mon chéri. Hein. On se retrouve. Eh oui. Yannick, tu es de retour. How are you? Oui. Good. Désolé, je suis dans une mauvaise page à la frontière mexicaine. Ça passe très mal dans le coin. Ah, ben oui, non, mais je sais bien que voilà, c'est pas de ta faute. Bon, là, on a l'air de t'entendre un petit peu mieux, là. Impeccable. Oui. Oui, mais désolé encore. Mais bon, comme je dis, je suis un grand remerciement si tu montres aux cette personne. Et comme je disais au début, au niveau des enfants, mais les parents ont. Regardez ce que les enfants regardent, tout ça. Et c'est très bien qu'ils passent des lois. Ça commence à changer maintenant dans certains États. Bien sûr, on est critiqué. Je suis désolé, un gamin de 15 ans, ils vont sur des sites pornographiques qui est d'une influence incroyable. Les enfants ne respectent même plus les professeurs, les parents. C'est de la folie. C'est pour ça que tu as des États où des gouvernements passent des lois. Maintenant, c'est fini, ça suffit. Depuis quand on va écouter un gamin de 10 ans ou de 15 ans de nous dire ce qu'on doit faire quand t'as 50 berges, quand même, faut pas exagérer. Ils sont à l'école pour apprendre et pas apprendre le sexe et toutes ces conneries. Voilà. Et tout ce qui est au niveau des parents, et je vais parler fièrement des gens qui vont être un peu en colère après moi, tous les parents qui sont homosexuels et qui sont mariés avec le même sexe, on va dire, et qui ont des enfants, ça sera interdit de sexualiser ses enfants sur ta sexualité. Tu peux être puni par la loi par rapport à ça. Tu n'as aucun droit de dire à ton gamin, c'est normal, c'est comme ça, on doit faire ci, on doit faire... Non. Si votre gamin, il trouvera sa sexualité lui-même, tu n'as aucun droit d'inculquer une sexualité parce que toi, tu l'as comme ça. Ça, c'est des lois qui ont passé. Les écoles, ils n'auront plus le droit jusqu'au niveau de 18 ans n'auront plus le droit d'inculquer les mouvements politiques et comme les LGBTQ, tout ça, c'est terminé. Ils n'en veulent plus. Ça sera le matin à l'école comme à l'époque. Ils remettent la pledge allegiance, c'est-à-dire qu'ils doivent se mettre debout, mettre la main sur le cœur et faire la pledge allegiance sur le drapeau américain. Voilà. Ils vont leur inculquer la vieille tradition que les gamins réapprennent la bonne moralité. C'est-à-dire que c'est terminé. Et les cell phones, les gamins qui arrivent avec les cell phones, c'est le professeur dans les classes prendront tous les cell phones et les mettront dans leur tiroir. Il n'y aura plus de... Parce que les enfants sont trop... dans les classes, ça a été vu, hein, il y a eu des caméras. Hein. Les gamins de 7, de 8, 9 ans, professeur en train d'apprendre de l'histoire, quoi que ce soit, tu sais, de l'école. Chat-chat. Non. Terminé. Quand tu regardes aujourd'hui, c'est une catastrophe. Moi, j'étais adolescent, 14-15 ans, j'aimais aller dans la forêt. On se tirait des coups de pin de pain dans la tronche, on s'éclatait, quoi. Et on découvrait un peu la nature.
Mais les gamins d'aujourd'hui ne veulent plus rien faire. Ils sont complètement focusés sur leurs jeux vidéo. C'est du n'importe quoi. Et j'aime bien l'individu, la personne qui a parlé avant, d'avoir l'état d'esprit ouvert sur le fait que découvrez la nature, découvrez vous-même, ouvrez votre état d'esprit, que les enfants retrouvent la nature de l'humanité et pas un culte uniquement sur des jeux vidéo, sur une boîte à idiots, une télévision, que 99% que c'est que de la merde. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est ce mec-là qui t'a parlé un peu là avant. J'ai écouté, il a raison à 100%. Mais c'est surtout, il ne faut pas que les gens confondent que les enfants, d'accéder sur Internet, peuvent accéder à des choses très dangereuses. Il y a trop de perversion sur les écrans. Et ça, il faut arrêter. Ça, il faut arrêter. C'est une urgence. Une urgence, c'est votre futur, c'est notre futur. Attends, notre futur, il est construit, il est basé sur de la connerie. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. Un gamin de 15 ans qui va arriver, va venir te voir, Julie, va dire « Ah, mais moi, je sais comment ça fait, je sais comment ça fonctionne, une femme. » Mais t'es un petit garçon. Ah oui, mais moi je me suis renseigné. Ah oui, t'es. On peut pas. Nous, les êtres humains, on est, il y a l'homme et la femme. On est complètement différents. On a la mentalité différente, la pensée est différente, notre corps agit différemment. Mais il est vrai que, tout en respectant qui que ce soit, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Ne viens pas pleurer après quand tu as payé les conséquences. Comme tu disais, les médicaments, pareil. Moi, je suis pas d'accord. Parce que moi, il y a 2 ans de ça, je me suis tapé une grippe, ma pauvre, mais je ne pouvais même plus respirer. Je toussais comme un malade, j'avais de la fièvre, je pensais qu'il y avait le Covid. Et bien, j'ai dit à ma remède, je me suis pris 5 shots de Calva avec une tasse de tilleul avec du miel. Et bien, je peux dire que 2 jours après, ben, je n'avais plus rien. Radical, terminé. Radical, à l'ancienne, comme nos anciens. Hein. Un petit coup de Calva, le grog, c'est ça. Hein. Oui, ben, à l'époque, ils se soignaient à l'agneau, non? Exactement. Ah ben écoute, ça, au moins, voilà, hein, c'est sûr, ça te fait transpirer derrière, et ben ça fait éliminer ce qu'il faut éliminer, terminer. Après, hop, ça va mieux. Nos anciens, ils avaient tout compris, enfin, ils avaient tout compris, ils avaient plus de, voilà, de bonnes... La grand-mère a mettait des glaces sur le dos et que ça transpirait sa race. Ça, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais ça remet. Il y avait des genres de glace derrière des verres sur le dos, mais dans la nuit, ça te reprenait toute ta fièvre. Quoi que ça. Ils faisaient ça à l'époque, c'était pour une bonne raison. Il n'y avait pas de médicaments. Tu vois, mais non, on se drogue un maximum. Ah, mais ils nous droguent un maximum et ils nous flinguent. C'est pour ça que maintenant, on n'a pas de cancer. Ouais, c'est exactement. D'ailleurs, un rhume. La pharmaceutique, c'est uniquement une banque, c'est du pognon. Comme disait l'autre personne, c'est que du pognon. Enfin, je m'en fous des docteurs. C'est vrai, tu as bien raison. Les docteurs, tout ce qu'ils disent, ah ben non, ben, désolé, vous allez crever en 6 mois. Mais qu'ils avaient, il y a plein de témoins, des gens qui disaient qu'ils allaient mourir. Et avec le bonheur, le soin qu'ils ont, ils ont vécu 2 ans de plus. C'est incroyable. Mais oui, l'être humain peut changer incroyablement sans qu'on arrête les conneries sur ce sujet-là. C'est incroyable, quoi. Non, on ne va pas écouter l'être humain, on va écouter la connerie. Ben ouais, ben qui la gagne, la connerie. Moi, je m'en fous. Moi, je ne prends pas de médicaments, moi. Je préfère prendre la douleur. Parce que je sais que le corps humain peut se soigner lui-même. Il n'y a pas de ces grandes médecines de merde. Docteur Raoul, il en parlait. Mais non, on l'a foutu dehors. Ben, j'ai écouté, ah ben évidemment, moi, mais bon. Tout à j'ai fait. Écouté les vieux. Ah, nos anciens sont... Ah, bien sûr. On n'a pas du tout évolué, hein. Non, c'est de pire en pire. Aujourd'hui, c'est... Oula. Oui, mais tu crois, pendant la Première Guerre mondiale, comment tu crois qu'ils se soignaient les poilus dans les tranchées? Bah, de l'agneau, ils prenaient ce qu'ils avaient à prendre, hein. Mais ils se soignaient, les mecs, ils allaient au combat après. Mais voilà, mais c'est vrai que c'était terrible. Mais je suis désolé, il y a des choses qui sont... Les effets, comme tu disais, ah oui, ça va nous soigner, ça va faire du bien un petit peu, mais après, je ne sais pas les effets secondaires. À eux, on en voit le résultat. Puis, les gens, comme tu dis, les gens, ils vont se faire picouser encore, ils demandent pour du Covid, le vaccin du Covid. Non, mais il faut arrêter les conneries, là. Il faut arrêter. C'est eux qui sont en train de nous empoisonner. Ben, je suis désolé. Moi, je parle du principe que les meilleurs médicaments, ce sont les plantes. Ce sont les plantes, comme tu dis, dans le jardin. Tu trouves de tous les orties, parce qu'ensuite, il y
y a plein de choses qui peuvent soigner. Mais en revenant sur les enfants, il faut faire très attention, les amis. Très, très attention. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non. Ils détruisent nos enfants. Sans protéger les. Ouais. Ah ouais. Mais c'est sûr. C'est sûr. C'est uniquement qu'il faut reprendre un peu ces états d'esprit à la normale. OK? Je pense qu'on a perdu trop de temps déjà avec leur connerie, écouter toute leur connerie. Et maintenant, ces gens commencent à se réveiller. Moi, je suis réveillé. Tu es réveillé. Certains d'entre vous les réveillent. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de monde. T'inquiète pas. Si. Ah non, mais je ne m'inquiète pas. Parce que tôt ou tard, les gens ils vont le regretter. Et, ah bah merde, si j'avais su, mais c'est trop tard. Alors, attendez pas que les gens, c'est satanique qui viennent à votre porte. Et là, c'est trop tard. Là, on a encore le temps de se réveiller. Réveillez-vous. Voilà. Le bonheur, il y a tellement de choses de bonheur dans la vie. Moi, le matin, je me réveille, et ben, j'ai le sourire. J'ai fait une petite prière et j'ai le sourire. Bravo. Je préfère avoir le sourire. Moi, je n'ai pas envie de me réveiller, avoir la tête dans le cul, et dire, oh, bah merde, allez, ça, putain, faut que je prenne la route. Mais non, moi, j'aime bien ce que je fais. Moi, on me dit que je suis un malade. Non, j'aime bien ce que je fais. Je suis sur la route, j'aime bien rouler avec mon camion. J'ai mes petites hobbies. Hein. Quand je rentre chez moi, j'ai mes bagnoles, j'ai mon jardin, je vais au centre de tir que j'adore tirer avec les armes, c'est mon hobby. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut être créatif. Bon, bien sûr, il y a les moyens derrière. Mais si en plus tu peux avoir les moyens et pouvoir faire quelque chose que tu adores, que tu aimes faire, fais-le. Parce que tu n'as qu'une vie. Tu n'as qu'une vie. C'est pas quand tu arrives à 80 ans, tu es presque au bord de. On dirait de la mort, tu vas dire, ah bah tiens, bah, j'ai eu, je vais faire de la promenade. Non, c'est trop tard. Ceux qui gens qui aiment bien marcher dans la nature, marcher, ça fait du bien. Moi, tous les jours, je fais un peu de gym. On y a qui rigole sur le parking en train de Montréal, faire de la gym. Je fais de la corde à sauter, tout ça. Mais je m'entretiens. Bah oui, je veux pas devenir une grosse baleine. J'ai 55 ans, j'ai pas envie de devenir une grosse baleine avec des gens. T'as des hommes de 30 ans qui ressentent qu'ils ont l'impression qu'ils sont ensemble de 9 mois. Je suis désolé, arrêtez de bouffer de ces saloperies. Mangez un peu plus serein. Et un peu plus sain, et faites un peu de sport pendant 30 minutes. Ça fait du bien, la corde à sauter. La corde à sauter, ça fait très bien. Et lever des poids, des trucs comme ça, tu vas fauter. Parce qu'on est assis toute la journée, tu vois, ou toute la nuit dans le camion. Il faut aimer son corps, et il faut, c'est notre temple, donc il faut en prendre soin, tout à fait, tu as raison. Oui, c'est primordial. Exactement, quand je voyais des sondages, disaient que des jeunes, de 18 à 18 à 35, ils disaient que l'homme et la femme a complètement changé. Ils n'ont même plus de relations sexuelles, ils n'ont même plus de relations individuelles. C'est une catastrophe. Et quand je vois un ami qui son fils qui a presque la trentaine, il dit, ouais, mais vous, à 55, 60 ans, c'est fini, mais tu rigoles ou quoi? Ah non, le matin, c'est toujours au garde à vous, hein, je suis désolé. Attends. Mais oui, voilà, c'est la. Il faut laisser faire la nature faire ses choses, en fait. Mais il faut savoir que la nature nous donne beaucoup de choses pour pouvoir avoir un corps sain. OK ? Bien sûr qu'on voit un peu, on fait ci, on fait ça. Mais en même temps, tu peux essayer d'améliorer. Il n'y a rien de shame. Oh, ben non, attends, je suis trop vieux, maintenant je ne peux plus rien faire. Non. C'est dans la tête que ça se passe. Merci à la Légion étrangère de m'avoir donné de la ténacité et du courage pour faire ce que j'ai besoin de faire dans ma vie. Sinon, tu ne pourras jamais rien faire. Mais une chose que je veux te dire, Julie, ne jamais baisser les bras. Dans la vie, on va se pointer devant des murs et se cogner à tronche. Mais il y a un moment donné, quand ça fait mal, il faut dire, attends, j'arrête là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir, des moments, reculer un peu, réfléchir et savoir ce que tu dois faire pour arriver à ton but. Il ne faut jamais désespérer. Jamais. Je me suis retrouvé à la rue, à New York, en plein hiver. Je me suis retrouvé à la rue, même en Floride. J'ai plus de thunes, plus rien. Mais je me suis démerdé à faire des petits boulots à droite à gauche pour remonter la pente. Alors quand je vois dans ma famille ou certaines personnes qui me connaissent sur Messenger, quoi que ce soit sur Facebook, et qui me plaît, toi, mais tu sais, comme un bon frangin qui est jaloux de moi, ouais, t'as pas besoin de toutes ces bagnoles, t'as pas besoin, t'es plein de pognon. Mais je travaille pour ça. Je bosse, j'en profite même pas trop d'ailleurs. Mais je bosse. Et je me suis remonté la pente. Je n'ai jamais baissé les bras, jamais. Et j'apprends ça à mes enfants, ne jamais baisser les bras, ne jamais désespérer.
Exactement. Toujours garder espoir, coûte que coûte. Même quand on chute, voilà. Même quand on va très très bas, on ne peut que remonter, les amis. Comme je disais en début de live, chaque épreuve, si elle s'invite, si elle se présente dans nos vies, c'est qu'on est largement capable d'y faire face. Nous avons les ressources nécessaires. Ce n'est pas là par hasard. J'ai un ami que j'ai perdu il y a quelques années, mort d'un cancer. Mais avant qu'il meure, je allais le voir souvent. Et je suis remonté, moi, je faisais rigoler avec mes blagues à la con, quoi que ce soit. Mais au fond de moi, ça me faisait mal au cœur. Voilà, ça me faisait mal au cœur. Et ça me fait toujours mal au cœur de savoir qu'il est parti. Mais je suis resté presque jusqu'à la fin avec lui, pour lui donner l'espérance et le sourire et le rire. Même un jour venir et lui amener des... J'avais une amie, elle est venue, comme si elle était sa petite femme d'amour, tu vois. Juste pour lui redonner un peu d'espoir. Parce que dans sa souffrance, il faut lui donner de l'espoir. Je m'en fous ce que les docteurs, les infirmières disent. Je suis désolé, la personne est déjà condamnée déjà. Alors pourquoi lui donner pas ces derniers jours? C'est comme dans les hôpitaux, ils ne veulent pas d'animaux. Bah, je suis désolé. Moi, je vois des vidéos des gens qui amènent un chien, un cheval. Oui, l'animal a plus de sensations que l'être humain, c'est incroyable. Et oui, mais au moins, ça te fait une espérance de vivre. De voir quelque chose avant de partir. C'est quand tu pars, il n'y a plus rien, c'est fini, terminé. Tu verras plus ces trucs qui étaient autour de toi. Alors, il faut que les gens arrêtent dans l'égoïsme, l'égocentrique et tout ce qui s'ensuit. L'espoir fait vivre. Il y a des gens, ça a été prouvé, des gens qui sont tombés très malades, très vraiment malades et qui ont réussi à survivre plus de temps par rapport à l'espoir. Bien sûr. Et l'attente fait mourir. Tous les gens qui sont dans l'attente d'un miracle, d'un messie, d'un sauveur. Oui. Ça, par contre, attention, seule l'action, les amis. Mettez-vous à l'action. Oui, mais l'action, ne peut pas dire dans la rue. L'action viendra de toi, de moi, de qui que ce soit. Alors, quand vous voyez quelqu'un sur une personne sur une chaise roulante en train d'être béquille, ou une petite personne qui a un petit sac et qui est lourd, allez l'aider. Aidez-le. Allez l'aider. Il y a des moments, des gens qui ont des problèmes physiques, qui ne peuvent pas avoir une porte. Ouvrez la porte pour eux. Je ne suis pas spécial pour les hommes. Soyez un peu plus gentleman. Ouvrez la porte Bravo. À une femme. Laissez Bravo. La femme rentrer d'abord. Arrêtez de votre égocentrique de passer comme ça ou dans un bus, de vous asseoir, vous voyez une femme enceinte ou un petit vieux ou une petite vieille. Levez-vous et laissez la place à cette personne-là. Moi, je dis, c'est ça mon message pour toi, que je t'envoie ton truc. Reprenez l'humanité un peu de respect, le respect, il n'y en a plus. Ramenez le respect, bordel. C'est ça que moi, je fais quand tu vois quelqu'un qui a besoin. Généralement, dans les truck stops et tout comme ça, il y a des clochards partout, tu vois. Une femme enceinte qui a demandé, eh ben, j'ai pas donné de l'argent, je lui ai acheté à manger. Elle m'a remercié. Ça m'arrive d'aller à un grand supermarché, je vois des gens qui sont dans le démunis parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de pauvreté. Et bah, j'ai l'argent extra. Bah, tiens, tu sais quoi, je donne $30. Tiens, je paye. Non, une fois, j'ai payé même la bouffe. Elle avait pour quoi 50-60$. La femme avec son fils, avec son homme, mais ils n'étaient pas vraiment bien habillés. Et ils calculaient un peu ce qu'ils allaient prendre ou pas prendre. Et bah, c'est moi qui ai payé leur commission. J'aurais payé les commissions. Bravo. Ouais. Bravo. Ouais, et moi, ce que j'aime, quand on aide son prochain, c'est ce qui est formidable, c'est d'aider son prochain, de le faire avec amour, avec cœur, pour le sourire que tu vas voir apparaître sur son visage derrière, ce que tu disais très joliment, mais pas avoir besoin de le souligner derrière aux autres. Et ça, ça fait la différence entre ceux qui donnent vraiment avec le cœur et ceux qui donnent pour se donner bonne conscience. Tu vois, Yannick, oui. Et ça, j'insiste. Alors, je ne le dis pas parce que là, tu es en train de nous en témoigner. Attention, je ne suis pas en train de te juger, toi. Mais c'est un message que je passe parce que ceux qui font, pour derrière le souligner et le répéter, ben, autant ne rien faire, les amis, d'accord? Parce que ça, c'est pour l'ego, c'est nourrir votre ego. Ce n'est pas le cœur, ça ne vient pas du cœur. Et ça, c'est bien dommage. Oui. Je tenais vraiment à le souligner. Tu sais quoi? Est-ce qui fait mal au cœur aussi? Et ça, c'est un truc qui m'a choqué. C'était des années de ça quand je suis à New York. Hein. Marcher dans la 5e avenue, hein, une avenue où il y a tous les riches, un grand magasin, je suis avec un pote, et j'avais deux manteaux, il faisait froid. Il y avait ce clochard qui était allongé par terre. Tout le monde passait sans rien. Nous, moi et mon pote, on est passé comme ça, et je me suis arrêté, je me retourne, et je vois le mec, il n'avait pas de chaussures, il n'avait pas de chaussettes. Ses pieds étaient violés.
Ah, mais il était vraiment mal en point. Et ben, j'avais ce manteau sur moi. J'avais deux manteaux, en fait, ce que je faisais. Ben, j'ai pris un de mes manteaux et je lui ai mis dessus. Je lui ai donné le manteau. Papa, il me dit, mais t'es fou. Comment ça, je suis fou? Tu vois pas le bonhomme comme il est là, non, sans déconner. Tu regardes tous ces gens à qui passent, qui sont pleins en zeste, quand tous ces sacs de beauté, de ça, et passent, ils voient même pas qu'il y a un être humain qui est par terre. Tu sais, tu te rends compte? C'est ça l'humanité. C'est de là où on en est maintenant aujourd'hui. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je sais parce que moi, je suis tombé très bas. On ne m'a pas vraiment aidé. Mis à part une ou deux personnes m'ont aidé. Et ça, j'ai toujours redevable. Je suis redevable. Tu vois. Et pour moi, je me suis juré que j'aiderai mon prochain, quoi que ce soit et quoi qu'il coûte. Si j'ai, bien sûr, si je n'ai pas, malheureusement, tu vois. Mais si j'ai la capacité, j'aide. J'aide. Je ne garde pas rien pour moi-même. Je ne garde rien pour moi-même. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas actuellement, même sur ton show. Il y a des gens qui ne me connaissent pas, ils me voient sur certaines manières, mais ils ne savent pas vraiment ce que j'ai dans le cœur, ils ne savent pas ce que je représente exactement. Et je peux représenter autre chose aussi dans ma vie. Et je sais que je l'ai fait. Et je continue à le faire et je continue à le servir. Parce que pour moi, d'être routier comme je fais, le camion qui bouge toute la nuit, la journée, tout ça, il ne faut pas oublier une chose comme chez vous. C'est des hommes et des femmes qui sont sur la route qui risquent leur vie à chaque moment. Chaque moment pour être sûr que vous allez avoir ce qu'il faut dans vos magasins, dans le matin, quand vous allez chercher le pain, les commissions. Tout ça, ça arrive par camion. Ça n'arrive pas par enchantement. Et ça, c'est pour la bonne cause que je fais ça aussi. J'aime mon boulot, mais je fais ça pour une bonne cause. Voilà. Écoute, Yannick, ce matin, tu nous mets du baume au cœur parce qu'on te découvre un petit peu. Hein, et on se rend compte du grand cœur que tu as. Mais t'es pas là par hasard, tu serais pas au cœur du matin de temps en temps si tu avais pas ce cœur et cette humanité en toi. Mais je suis contente de te l'entendre dire, puisqu'on a eu quelques des fois des commentaires un peu désobligeants lors de tes passages parce que les gens ne te comprenaient pas ou parce que tu avais un discours un petit peu à l'américaine, hein, voilà. Mais moi j'aime entendre ce que tu dis et voilà. Voilà, tu t'es dévoilé ce matin, c'est vraiment très touchant. Tu es quelqu'un de touchant, Yannick, hein, et tu as un grand cœur, je l'entends. Mais nous l'entendons. Il faut ramener la solidarité entre nous. Il faut arrêter la haine. Ah ben là, c'est l'heure. Hein. Oh ben non, on l'a perdu. Oh bon. En tout cas, ouais, ça fait chaud au cœur. Mais j'ai bien fait de lui répondre tant qu'il était là. Oh punaise. Ah les amis. Toute la misère du monde, on peut pas la porter sur le dos, les amis. Hein, on peut pas non plus. Et puis chacun dans sa mesure de ce qu'il peut faire. Hein, quand on a nous-mêmes peu de moyens, en tout cas financiers, on peut pas évidemment aller aider. Mais il y a tellement de façons d'aider. Hein, voilà. Donc voilà, de vraies valeurs. Et ben ça fait du bien et ça remet les pendules à l'heure à tous ceux qui ne supportaient pas Yannick, parce que je sais qu'il y en a. Je sais que la tolérance manque un peu dans ce live encore, mais on y vient. Les gens sont de plus en plus quand même conciliants, tolérants, et je vous remercie, hein, les amis. Je le vois dans vos commentaires, c'est quand même autre chose. Mais c'est important. Respectons-nous les uns les autres. Nous sommes tous des trésors à découvrir à l'intérieur, d'accord? On a chacun quelque chose. Sujet passionnant. Oui, oui, oui. Ben exactement. Mais oui, les amis. Ah, le monde fonctionne comme ça, aller en Afrique. Ah ben, c'est une leçon, hein. Ah, d'aller en Afrique, de voyager en Afrique, c'est une leçon pour nous, peuples occidentaux, hein. Je vais te dire, hein. Déjà, c'est un peuple, pour les trois quarts, hein. Ils ont toujours le sourire. C'est quand même une force de la nature. C'est des gens merveilleux, moi. Ils savent être joyeux. Enfin, nous, même nous qui avons tout, mais on est vide à l'intérieur. On peut avoir toutes les richesses à l'extérieur. On peut en cumuler. On y va. Mais on est vide à l'intérieur, on sera jamais satisfait. Eux ont pas grand chose, si vous voulez. Mais ils ont ce plein intérieur parce qu'ils ont cette approche, et qui sont interconnectés avec tout. Et ça, les amis, c'est magnifique. C'est une leçon, hein, le voyage, de toute façon. Mes parents m'ont toujours dit, le voyage forme la jeunesse. Mais c'est là qu'on apprend énormément. En allant voir un petit peu les autres cultures, en apprenant des autres. Et ça, croyez-moi qu'ici en France, on se croyait là. Eh ben, je peux vous dire que on a encore beaucoup de leçons à apprendre, nous, Français, occidentaux, totalement manipulés, endoctrinés. Des leçons de vie, nous avons à apprendre en voyageant et en allant découvrir ces peuples du monde que nous avons trop souvent critiqués, d'ailleurs. Ah, ben, Yannick est de retour. Yannick, est-ce que tu nous reçois? Oui. Ouais, voilà. Oui, on t'entend.
On t'entend. Ouais, tu m'entends? Il va y avoir un décalage. Ah merde, ça passe mal. Hein. Bon, passe Yannick, très, très en tout cas, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Oui, je t'entends. Ouais, ça passe très mal, je ne vais pas rester trop longtemps, ça passe très mal ici. Et je te remercie, s'il te plaît, encore avec tous tes amis. Si vous pouvez me retrouver cette personne, j'apprécierai énormément. Et comme je dis, reprenez votre que tous les gens reprennent sa moralité, aidez vos prochains. Arrêtez de, je dis comme ça, j'ai trop perdu de temps, ce qui m'a fait mal aussi au cœur, mais de reprendre un peu le droit de l'humain, de se reprendre, s'aimer entre nous. J'ai été concis, hein, j'ai fait des mauvais choix aussi dans ma vie, hein, mais je m'aperçois de plus en plus qu'en fait, je reprends un peu de choses. Merci Émilie. Yannick, on t'embrasse. Désolé, hein, ça fonctionne pas. Il y a une connexion. Eh ouais, il est à la frontière du Mexique, il nous disait. Eh oui. Allez, bah, il reviendra nous voir lundi. Bon week-end de Pâques, l'ami. My friend. Oh punaise, moi, l'accent, c'est affolant. Actuellement, je vais dans le centre de rééducation. Pour moi, j'aide d'une façon naturelle. Les gens sont agréablement surpris. Sœur Emmanuelle disait « Commencez déjà à mettre votre pierre à l'édifice au lieu de vous moquer. » Elle avait presque 100 ans et des yeux de jeune fille. C'était vraiment une sainte. Pourquoi être toujours obligé de souligner, de se vanter de ce qu'on fait pour les autres? C'est quand même curieux. C'est essayer de se donner une image. C'est essayer de se donner de l'importance. C'est essayer de se glorifier. Mais on ne fait pas ça pour se glorifier, on fait ça pour l'autre, non, en général, non? Bon, il y en a marre. Moi, j'aime pas ça, les gens qui sont tout le temps en train de… C'est pénible, quoi. Fais des choses, c'est très bien, mais ne viens pas me le souligner toutes les cinq minutes que tu as fait ça pour l'autre. C'est vraiment… Tu cherches quoi? Exister à mes yeux? Mais fais-le sans rien dire, tu existeras d'autant plus. Ah non. Ouais. Ou alors il faut pleurer pour que l'autre vienne t'aider, tu sais. Non, mais ça, que la personne ne ressente pas que t'es dans le besoin ou que t'as envie ou que c'est dommage. Être obligé de quémander, moi c'est pas mon truc, mais tu vois, je trouve ça dommage, c'est l'humain. On est des êtres vibratoires, on doit ressentir l'autre, on doit savoir à un moment donné là où on peut être utile, là où on peut être important pour l'autre. Ah, il parle franc. Oui, il faut rester humble, Céd. Ah, ça c'est clair. L'humilité. L'amour instinctif, cher Jean-Marie, tu as raison. Et avec le cœur, Crosset, exactement. Il n'y a que ça de vrai. Quand ça vient du cœur, ça ne triche pas, jamais. Si ça commence à venir de là, c'est qu'il y a une idée derrière la tête, il y a encore un intérêt personnel, vois-tu. Tu vas faire genre de faire du bien à ton prochain, mais parce que derrière, tu as un intérêt perso, tu as des attentes. Bref, c'est comme ça, les amis. On est en train de changer de monde, hein, et de société, hein. On va retrouver notre humanité et ce cœur, les amis. Vous inquiétez pas, moi j'en suis certaine. Je suis confiante. Il y a de beaux humains, de très beaux humains. Il y en a aussi de très, très noirs. Enfin, noirs. Attention, hein, rien de raciste. Hein. Quand je dis noir, je veux dire sombre. Sombre, pardon. Voilà. Non, c'est... Au secours. Coucou Nora! Bon, moi je trouve hallucinant que la plupart aiment mal parler et mal agir. Ah mais ça c'est le propre de l'humain. Se retrouver en groupe d'amis pour aller parler de l'autre. Ah ben ça, écoute, c'est formidable. C'est quasi tout le temps. C'est, je veux dire, aux trois quarts, tu te retrouves entre amis. Quel est le sujet? Plutôt que profiter pleinement du moment ensemble pour s'enrichir comme on fait là, hein. Échanger nos connaissances, ce qu'on a compris, ce qu'on a appris, ce qu'on a fait, nos créations, faire de la créativité. Non, on va plutôt aller, voilà, critiquer Pierre, Paul, Jacques sans jamais se remettre nous-mêmes en question. C'est quand même curieux, hein. Ah là là, il est temps que ça change, les amis, hein. Quand est-ce qu'on va se retrouver sous un arbre avec nos anciens, nos grands sages, qu'on va écouter et boire leurs paroles, qui vont nous apprendre, nous transmettre, hein? Non, on préfère les laisser dans des EHPAD mourir, hein, et sceller, hein, de tristesse, de solitude, n'est-ce pas? Vous parliez tout à l'heure d'animaux en centre hospitalier ou en EHPAD, mais c'est essentiel. Ce serait essentiel dans le nouveau monde. C'est ça qu'il nous faut. Les enfants avec nos anciens aussi, hein? Mélanger nos crèches, nos garderies avec nos maisons de retraite, ça va redynamiser nos anciens. Ils se sentiront utiles. Transmettre, ça va leur donner de la vie,
dans ces milieux. Et nos petits, ils ont tant à apprendre de nos anciens. Cette société est gravement malade, les amis. Gravement malade. Il est temps que ça s'écroule. Moi, je vous dis, on ne peut pas continuer dans un monde pareil. Hein. Ça ne nous ressemble plus. Ce n'est pas possible. Moi, je déteste le portage. Je n'ai pas beaucoup fait de mal. Ah ben moi, ça m'est beaucoup reproché, hein, mon temps passé sur les écrans aujourd'hui. Mais je pense que c'est plus fort que moi pour le moment là qu'on passe, qu'on traverse. J'espère plus tard ne plus avoir à être derrière un écran, mais vivre les choses pleinement dans le réel. Hein. C'est une transition. Le téléphone, on peut pas non plus tout jeter. Le bain et l'eau du bain, comme on dit. C'est quand même grâce à Internet, grâce à tout ça, qu'on s'est ouvert l'esprit. Vraiment. Avec bonheur, Patricia. On se connaît bien maintenant. Enfin, vous me connaissez plus que moi, je vous connais, mais quand même, à force de vous lire, j'arrive à me faire une petite idée. Mais ça ne remplace pas le moment de bonheur, de rencontre, quand on se rencontre en vrai, les amis. Hein, hein, Doudou? Il est mort de rire. Il est mort de rire. Ah, il me supporte, hein, les amis. Il faut supporter une femme comme moi, quand même. Ce sont les discours des Miss France. Ah, bah, attends! Faut gagner, hein, faut toucher le cœur des Français. Manipulation à 200 à l'heure. Les nanas. Bref. On est dans un monde superficiel, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est toujours en train de juger ou de parler des autres, mais ça, c'est un conditionnement. Eh oui. Ben, à nous de changer ça. Essayons. Au moins, quand on s'en rend compte, faisons un mea culpa et arrêtons. Arrêtons. Hmm? Ça peut coûter cher aussi de parler derrière le dos de l'autre. Parce que tu sais, vous savez, les amis, tout se sait. Il doit être adorable, ton chéri. Oui. Il me supporte. Moi aussi, je le supporte quand même. Non, je rigole. Bien sûr, bien sûr. Et ouais, il m'a fallu attendre longtemps quand même. Et oui, oui, oui. Mais en fait, des fois, ça le gonfle, hein, tout ça. Il faut reconnaître. Hein. Faut reconnaître, les amis. Eh oui. Mais c'est plus fort que moi et vous connaissez mon caractère, hein. Vous avez compris qui je suis maintenant. Bon, je ne dis pas les choses. Et en même temps, j'essaie de. C'est comme tout. Il faut composer, les amis. Il ne faut pas délaisser quoi que ce soit, ni son côté vie de famille qui est très important, mais pas délaisser non plus ce qui nous anime, ce qui nous rend heureux. C'est d'être là pour vous. Voilà. Il y a un juste milieu, hein. C'est toujours pareil. Ishvan a beaucoup de chance. Hein. Ben ça, je ne te le fais pas dire, Olivier. Hein. Je rigole. Mais il le sait ou pas? Il rigole. Oh là là. Non, mais on se régale. Vous savez, l'idéal d'une relation, c'est aussi pouvoir être ami, amant, amoureux. C'est tout ça. Pouvoir arriver à échanger, à partager nos idées, nos intérêts. Moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un avec qui je peux parler de tout ce que j'ai compris depuis longtemps. C'est pas évident de trouver quelqu'un sur la même longueur d'onde, hein, les amis, avec qui partager tout ça, ce chemin. Et je sais que certains d'entre vous, ben, c'est ça aussi. C'est pas évident. Mais vous inquiétez pas. Il y a ce pouvoir d'attraction, de vibration. Tôt ou tard, vous, voilà, on est en train de se retrouver, les amis. Marité, je le suis grâce à vos commentaires tous les jours. Ça, c'est la richesse que je reçois. C'est ça, Marité, cet amour. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas pris. Non, t'es avec Ishvan. C'est qui me marque ça? Ça, alors tu connais? Ah, c'est une grande richesse, Claudie. Et surtout que dans cette période, ça n'a pas été simple, hein, de pandémie, tout ça, quand on se retrouvait avec quelqu'un qui ne pense pas du tout quoi que ce soit, tu te rends compte? Putain. Merci, Nadia. Donc voilà quoi, on est c'est une chance, oui, mais on l'attractionne, cette chance. Coucou Ishvan, bisous, tu te planques. Tu te planques? Et je vais vous le montrer. Vous voulez le voir? Il est discret, il aime être discret. Il n'est pas évident de parler de tout cela. Mais oui, puis pouvoir le partager, c'est pas simple, hein, les amis. Hein. Après, c'est le seul dans mon entourage, enfin je veux dire, hormis mes amis. Quelques amis, mais la famille, tout ça, c'est, je ne peux pas discuter de tout ça, hein, c'est vous, voilà, c'est comme vous, c'est comme beaucoup. Il est timide, je ne sais pas s'il est timide. Oui, il faut ouvrir son cœur aux autres, Fernand, tout à fait. On est ici sur Terre pour ça. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je me sens exister
Allez, le Ijvan, un petit coucou. Le fait que je lui demande, voilà, mais je ne veux pas lui imposer quoi que ce soit. Puisque je disais, on est sur Terre pour ça, voilà. C'est là que la vie a du sens, qu'on peut apporter. Ijvan, oui, on l'a connu dans les manifs, Julie. Ah, ben tu m'étonnes, il était en première ligne, il en a aidé du monde hein, pendant les manifs, je peux te le dire. Hein, tous ces gens qui se faisaient gazer, ah ouais, il a été là. Ah, il a été là pour eux, ça. Moi, il m'a beaucoup touchée. Personnes âgées et tout, parce qu'ils ne faisaient pas de détails, les CRS, n'est-ce pas? Surtout à Montpellier, je peux vous dire qu'on en a pris plein la gueule. On en a vu des choses pas jolies. Hein. On n'oubliera pas tout ça. Allez, arrêtons d'embêter. Tic-tic-tic. Yorana, Ijvan, Yorana. Excellent. Je vous ai mis le lien, les amis. Surtout, ne rien imposer à l'autre. Exactement. Accueillons l'autre tel qu'il est. Après, il faut que ça colle. Hein. Voyez cette réflexion, cette expression, être sur la même longueur d'onde. Je trouve qu'elle a tout son sens de nos jours. Mais alors, à l'époque, on le disait machinalement sans réfléchir. Mais là, c'est vraiment ça. Il faut un minimum être sur la même longueur d'onde. Parce que sinon, c'est dur, quoi. Je sais pas. Oui. Après, ouais. C'est gentil, Antonia, en tout cas. Oui, oui, oui. Moi, j'élève mes deux garçons seuls. Chapeau, Jean-Marc. Il y a tellement. Ah, ben ouais, je sais ce que c'est. Hein. Moi, c'est un peu pareil. Hein. On ne vit pas ensemble. Mais il est là quand même, hein. Omniprésent, s'il y a besoin. Pour le moment, parce que les choses font que voilà. Hop. Marie-Noël, quand on aime vraiment une personne, on la laisse faire ce qu'elle aime. Ah ben ça, c'est ça l'amour sans condition. C'est voir l'autre s'épanouir, le voir heureux. C'est même si nous, on ne partage pas forcément le même plaisir sur le moment parce qu'on est quand même différent, eh ben c'est le laisser l'autre être qui il est. C'est ça, véritablement, aimer l'autre. Ben ouais. Moi, j'ai toujours compris ça. Mais j'ai rencontré peu de monde qui le comprenait, ça. Voilà, faut l'imposer, faut s'affirmer. Ouais, mais derrière, c'est pas simple, hein. Parce qu'on peut te dire oui pour te faire plaisir et puis pour que tu t'écrases. Puis derrière, pas en penser un instant, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ça t'a blessé. À qui tu parles, Estrella? Ah oui. Et ouais, les amis, j'ai pas suivi vos conversations. Mon mari et moi sommes restés 42 ans ensemble, main dans la main. Oh, Chantal, tu sais qu'il est toujours là d'une façon ou d'une autre, omniprésent. Ça doit créer un sacré vide, en tout cas. Ça, je reconnais. 42 ans de vie commune. Oh, ouais. C'est ça qui est pas évident. C'est le manque physique qu'on a de l'autre. Mais après, on le sait qu'il est là. Quelque part, et qui t'entend, qui te ressent. Oh là là, Mug, je sais pas, tu te rappelles de ça, mais mort de rire. Ça restera un des lives inoubliables, hein. Oh, finaise. En plus, ah ouais, non, après une journée de chasse à l'homme à Bruxelles, ça avait été extraordinaire ce live. En plus, j'avais un petit coup dans le nez. Alors là, j'étais drôle. Ah, Valérie. Bonjour Valérie, coucou. Ouais, ça va. J'écoute depuis tout à l'heure, j'écoute tout, c'est bien. Là, je suis partie en Vendée, là. J'ai fait 450, je viens d'arriver. Et pour les Pâques, quoi, en fait. Et puis j'écoute depuis tout à l'heure ce que vous dites. Hein. Et enfin, oui, j'écoute. Et par rapport aux personnes âgées qui sont dans les EHPAD, moi aussi, je suis d'accord. Ça manque les animaux. Moi, je l'ai vu avec ma mère. Hein. Tu sais que moi, j'ai eu des difficultés. Ma mère, ils l'ont séquestrée à l'hôpital. Je me rappelle hein, de ton histoire. Ben, ça avait fait du bruit. Vécu avait repris l'affaire. Je m'en rappelle. Hein. Putain. J'ai été obligée de porter plainte contre eux pour séquestration, tentative de meurtre. Et j'ai mis un mois à la faire sortir de là. Mais quand elle est arrivée quand je l'ai ramenée chez elle, parce que ma mère habitait à 100 mètres de l'hôpital, ma mère savait plus parler. Tu sais qu'elle ne disait que deux mots. Elle disait baba et bobo. C'est tout ce qu'elle savait dire. Elle avait tout perdu. Ils m'avaient tout coupé pendant un mois. Ils m'ont coupé les liens avec elle.
que ce soit de ma famille, tout le monde. Et c'est vrai que quand j'étais chez elle, parce que moi, du coup, j'ai sa chatte, j'ai son chien, sa chatte, j'étais obligée de la donner parce qu'elle ne s'entendait pas avec les miens. Mais j'ai sa chienne avec moi et quand j'étais chez elle, je lui mettais sur elle. Et c'est vrai qu'elle avait un grand sourire comme un enfant qui vient de découvrir son bébé ou je sais pas quoi, son doudou. Et c'était sa chienne et il y avait sa chatte qui dormait sur elle. Et c'est vrai que c'est très, très, très important qu'ils en ont besoin. Et je trouve ça bien dommage qu'il n'ait pas… Moi personnellement, je serais dans une situation grave à l'hôpital. Ça me ferait chier de ne pas pouvoir avoir mes chiens, mes chats, au moins leur dire au revoir les derniers temps. Voilà, je pense que ça remonte beaucoup le moral, que ça, c'est clair. Mais tu m'étonnes. Mais qui sont-ils pour nous empêcher, d'ailleurs, ce genre de… On est arrivé à accepter l'inacceptable quand même. Hein. On est arrivé à des situations… mais inacceptable, mais qu'on a cautionné, qui aujourd'hui existe parce qu'on a laissé faire. Il faut vraiment prendre conscience qu'il faut arrêter ça, hein, les amis. On ne peut plus se laisser diriger ou voilà, qu'on décide de ce genre de choses à notre place. Ah non. Exactement. Mais je ne sais pas si toi, quand tu étais petite, parce que moi, quand j'étais petite, oui, mon fils, même le dernier, là, qui a 25 ans, dans sa classe, il y avait un cochon d'Inde. Bon, le pauvre, mon fils, en fait, quand il est rentré, il avait tous les poils du cochon d'Inde sur lui parce qu'il n'arrêtait pas de s'en occuper. Il adorait ça. Mais on avait des animaux dans les classes pour les enfants. Il y avait des animaux. Et quand c'était les vacances, la maîtresse leur mettait un enfant qui voulait bien s'en occuper pendant une semaine ou deux. Je trouvais que c'était bien parce que ça leur donnait des responsabilités. Les gamins adoraient ça. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Il y a plus d'animaux. Tu as raison, on coupe tout lien. Alors nous aussi, il y a les vers à soie. Les vers à soie. Mais quand même. C'est, voilà. Mais c'est vrai qu'avant, tu avais un petit lapin, il y avait même des escargots, tu faisais l'élevage. Il y avait les gerbilles, les hamsters, les lapins, les cochons d'Inde. Ouais, il y avait beaucoup. Maintenant, alors le seul truc qui nous accepte, mais ça c'est politique, c'est la production de vers, en fait, faire du compost et puis mettre des larves de vers pour avoir des vers de terre et après les remettre, truc comme ça. Enfin, moi pour moi, ils sont mieux à être dans la nature qu'à être dans une corbeille, quoi. Mais voilà, je trouve que les animaux, ça manque beaucoup dans les enfants, ça les responsabilisait quand ils étaient petits. Pour moi, c'était bien. C'était super. Et puis, il y a besoin de ce contact. Moi, quand je vois comment Cathy Chou me réclame un petit animal de compagnie, mais ça y est, son papa, il a deux petites… comment on appelle ça ? Des gerbilles, justement. Hein ? Des gerbilles. Des gerbilles. Ouais. Voilà. Donc, elle est ravie. Et puis ici, bon, après, il y a… Voilà, il y a petit chien chez mes parents. Il y a tout ça. Bon, moi, ici, ce n'est pas adapté. Je ne vois pas avec… Pour le moment, hein. Mais c'est vrai que c'est important pour nos enfants, un animal de compagnie. Mais en fait, c'est tout, parce que l'animal, quand tu regardes bien, tu apprends à l'enfant, en fait, du coup, de s'occuper de quelqu'un d'autre, que ce soit un animal, par la suite, c'est à l'humain, en fait, que ça peut venir. Donc, c'est une façon pour eux de prendre soin de l'autre. Exactement. Et Lilou nous dit, c'est parce qu'il y a des allergies, idem pour les gâteaux. Non, mais attends, justement, tu t'immunises en étant en contact des poils d'animaux, par exemple, pour ceux qui sont allergiques. C'est comme ça qu'on s'immunise aussi. Tu sais, moi, les gens, beaucoup, j'entends dire ça. Moi, je suis allergique. Hein. Je suis sous cachet H24 parce que je fais des allergies au pollen, aux poils, enfin, à la poussière, aux acariens, fait tout le tralala. Mais je suis H24 sous cachet parce que en fait j'ai une autre allergie dans le sang, ils n'ont jamais su ce que c'était. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais si je ne prends pas ce cachet, j'ai des démangeaisons dans le corps, quoi. Et donc du coup, quoi qu'il en soit, j'ai quand même trois chats, j'ai deux chiens. Dès que je récupère un animal, surtout pas que je tombe sur un animal blessé ou abandonné parce qu'il va atterrir chez moi, ça c'est sûr. Mais voilà, et c'est des fausses, pour moi, c'est des fausses excuses de nos jours, parce que quand on est allergique à un truc, on peut avoir d'autres choses, et si on est sous cachet, je vois pas où ça gêne. Enfin, c'est comme les gens qui abandonnent leur « je me sépare de mon chien parce que je suis allergique », mais ton chien, ça fait quand même 6 ans que tu l'as, tu t'en aperçois maintenant. Oui, l'allergie peut venir plus tard, tu te soignes, je sais pas, c'est des choses que j'arrive pas à comprendre, tout ça. Après, c'est dans la mentalité, comme tu dis, c'est dans la mentalité des gens, c'est dans leur
bah, leur façon de voir les choses. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Mais de toute façon, ils coupent tout contact, tout ce qui peut nous faire du bien, ce qui vient faire ce rapport de bienveillance, aussi de responsabilité. Parce qu'un enfant, oui, à qui on va confier un animal, c'est une responsabilité aussi. Parce que c'est une vie qu'on lui confie, hein, quand même. Et tout ça, non, il vaut mieux aller donner des cours de sexualisation, de leur parler de masturbation, plutôt que de… Non, mais tu vois le monde, tu, ça, non, mais c'est… On parlait d'évolution, il n'y a pas d'évolution. VL. Oh, Sylvie, s'il te plaît, je ne comprends pas ton commentaire. Non, c'est un malentendu. Du coup, voilà, ce sont nos guides, comme nous dit BZH. Bien sûr. Bah, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à leur apprendre, hein, en fait, aux enfants, hormis cette sexualité qui n'a rien à faire dans l'école, quoi. Ça, c'est clair. Moi, ça me ferait bien un chier que mon gosse ou que mes petites filles, on lui apprenne des trucs comme ça, quoi. C'est clair que j'irais taper un scandale, ça, c'est clair. C'est pas normal. Ça reste du privé. Ça regarde personne. Ça regarde certainement pas des étrangers qui vont leur inculquer des choses complètement débiles et qui correspondent pas à la réalité. T'as raison. Non, là, c'est ça va trop loin, ces histoires. Là, c'est à nous de nous lever. Nous, parents, nous sommes légions, hein. Il faut reprendre tout ça en main et leur dire stop, hein, ces programmes de l'OMS, on a compris, hein. Voilà. Mais malheureusement, tu vois, comme moi dans mon école, quand je vois les jeunes, j'ai des jeunes avec moi, hein, évidemment, qui osent me dire, mais si c'est bien, je dis, qu'est-ce qui est bien à apprendre la sexualité à un enfant? Dis-moi, bah si c'est bien, il va apprendre, mais il va apprendre quoi? Si ça apprend à plus, tes parents qui te disent c'est bien. Mais est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils racontent là? Voilà, je pense que en fait, dans leur tête, à ces gens, en fait, c'est leur apprendre ce qu'on apprenait un peu nous à l'école, le système des femmes, enfin, j'arrive même plus à dire à trouver les mots, tu vois ce que je veux dire, l'appareil génital et tout ça. Et ils pensent qu'ils apprennent. Je dis non, quand je leur explique ce qu'on veut leur apprendre, ils sont pas d'accord. Ben oui, mais pourquoi vous réagissez pas à ce moment-là? Ben non, laisse faire. Ben le jour où ça va vous tomber sur le nez, vous allez faire quoi? Vous allez rentrer dans le truc, aller gifler un directeur, alors que lui, il y est pour rien. Parce que le directeur, c'est pas de sa faute. S'il le met, c'est l'éducation nationale. Parce qu'il faut savoir que le directeur n'appartient pas à l'éducation nationale, en fait. C'est-à-dire que les ordres que les profs ont viennent de l'éducation nationale. Et le directeur ne peut rien dire dessus. C'est très compliqué. Ah ben c'est bien ficelé l'histoire, hein. T'as les directeurs, les inspecteurs d'académie. Ah ben tout est bien ficelé, évidemment. Sauf que là, nous allons faire une émission bientôt avec le collectif de parents en colère. Nous avons une maman courageuse qui a porté plainte à Tours pour justement, suite à un cours d'hypersexualisation, où sa fille est sortie traumatisée, n'est-ce pas? Des mises en situation incroyables. Là, il faut que ça fasse du bruit, les amis. Il faut que cette maman courage, vraiment derrière, ait tout le soutien et toute la lumière mise sur son action, puisque c'est très rare des parents qui vont au bout, parce qu'on sait comment ils opèrent avec leur intimidation de retirer les enfants, leur signalement, etc. Il faut arrêter de se laisser intimider par ce discours, parce que ce sont des rouleaux compresseurs qui s'invitent dans nos écoles, ils évincent les enseignants qui n'ont pas le droit de participer aux cours et derrière, il se passe des choses incroyables. C'est des psychopathes, hein, des pervers qui viennent faire des cours comme ça, nos enfants. Il faut voir ce qui se dit. Hein. Ah, mais c'est ça. Mais nous, on a eu en début d'année, ça s'appelle, alors je ne sais plus le cours, c'est la bienveillance. C'est un truc sur… on en est venu à parler des transsexuels. Et… J'ai une de mes collègues, c'est encore une jeune, hein, évidemment. Elle a son meilleur ami qui a fait toute la transformation. Je la regarde, je dis, il peut faire la transformation qu'il veut, mais ça reste un homme. Elle me dit, non, regarde, c'est une femme. Je dis, non, génétiquement, c'est un homme. Tu pourras jamais lui faire avoir d'enfant. Tu peux lui faire le nombre de prises de sang que tu veux, même s'il a le physique d'une femme, c'est un homme. Je dis, j'ai rien contre, mais qu'on ne vienne pas obliger les enfants à leur mettre des conneries dans la tête en leur disant que c'est bien, si tu as envie, fais-le. Voilà. Non, il ne faut pas. Je dis, c'est ça que je n'accepte pas. Je dis, après, il fait ce qu'il veut. Fais ce qu'il veut. Moi, j'ai une amie, je la connais, c'est la fille d'une amie, je la connais depuis qu'elle est petite. C'était un garçon. Physiquement, c'est un garçon. Hein. Je peux te faire une photo. Mais elle a fait hormonalement, elle a 85% d'hormones masculine.
Donc, elle a tout le physique d'un homme, la voix d'un homme. Elle n'a jamais fait de transformation, mais elle a une poitrine. Et pourtant, elle ne fait pas l'opération. Elle reste comme elle est. Enfin, elle ne veut pas qu'on l'appelle elle, mais moi, c'est par rapport à quand elle était petite. Donc, je la connais depuis qu'elle est petite. Donc, c'est compliqué de dire lui. Mais voilà, je veux dire, elle ne cherche pas. Et puis, elle ne cherche pas à manipuler les autres ou un autre enfant pour faire la même chose, pour faire des opérations. Et puis, en plus, c'est des opérations qui sont remboursées à 100% et puis que nous, on a déjà du mal à se payer quoi que ce soit au niveau médical, quoi. Ça, je trouve ça inadmissible. 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 C'est ça. On arrive à un stade où là, de toute façon, c'est un point de non-retour. C'est soit on change vraiment tout ça, les amis, et c'est nous, ça viendra de nous, parce qu'on a décidé et qu'on ne supporte plus tout ça. Hein. On prend les rênes, hein, si je puis dire, et on y va. On arrête d'attendre un messie ou un miracle que ces gens au gouvernement, d'un coup, prennent conscience qu'ils sont dans des satanistes. Non, mais vous rigolez ou quoi? Ça ne viendra pas d'eux, le changement. Jamais de la vie. N'attendons plus, n'espérez plus. Alors là, je voyais un commentaire sur l'Europe. Ne me parlez même pas d'Europe, s'il vous plaît. Hein, l'Europe des nations, hein, où chacun devient souverain, à la limite. Mais s'il vous plaît. Moi, L'Europe, elle aurait pu être bien, mais juste pour la défense. La défense de l'Europe, au niveau militaire. Mais pas au-delà de ça, pas dans, à s'ingérer dans nos vies, nos façons de vivre. Comme disait le monsieur qui était avant, on est là, c'est qu'il y a une raison. Moi, je vais pas, si je vais en Chine, je vais peut-être pas m'adapter à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils ont, parce que c'est pas dans ma culture, c'est pas ce que j'ai vécu depuis que je suis petite. Donc il y a des choses. Donc l'Europe, non, si c'est pour s'ingérer dans nos vies, ça je suis pas d'accord non plus. Voilà, c'est pas normal. C'est pas eux de décider pour nous, surtout pas ceux qui sont là actuellement, quoi, en plus. C'est pas non, c'est des gens déconnectés. Ils n'ont absolument pas, ils savent même pas de quoi ils parlent. Notre réalité, non. Ça les dépasse. Ils n'ont jamais manqué de quoi que ce soit. C'est des gens, c'est des arrivistes. Ils ont toujours une cuillère en or dans la bouche, les mecs. Ils sont placés. C'est des lignées, des familles, du copinage, des, non, s'il vous plaît. Non, faut des gens à être représentés. Et encore, ce côté représentativité, faut qu'on en sorte. Faudrait des sages, des sages, et puis que ça tourne, que ce soit vraiment, voilà. Pas toujours les mêmes, vous voyez ce que je veux dire? Mais surtout, voilà, des gens qui savent de quoi ils parlent, hein, des exemples incarnés, pas ces pourritures d'ordures qui sont des donneurs de leçons qui seraient incapables de se serrer la ceinture une seconde. Hein? Alors qu'à nous, ils nous demandent au quotidien. On ne leur donnerait pas tout l'argent qu'on leur donne, je ne pense pas qu'ils courraient après la place, hein. Que ce soit les uns comme les autres, ou que ce soit au niveau de la présidence, les présidents ou quoi aux caisses. S'ils ne bouffaient pas tout le fric qu'ils bouffent, on n'aurait pas. Ça serait pas la course, hein. Franchement, ça serait pas la course. C'est la place qu'ils veulent, c'est le pognon, quoi. Enfin, c'est comme tout le reste, hein, toujours. De quoi ? Ouais, c'est ça. Excuse-moi, Valérie, j'ai un petit souci dans le chat, là. J'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, les amis. Ça me désole beaucoup de lire Sylvie dans cet état-là. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis ? J'ai loupé un épisode là, mais honnêtement, j'espère qu'il n'y a pas de malveillance des uns des autres. Hein? Bon. Excuse-moi, Valérie, hein, de t'interrompre dans tout ça, mais je vois des commentaires, vraiment, ça me touche parce que non. Sylvie est là depuis très longtemps, a toujours été, au contraire, une lumière avec nous. Je ne comprends pas là, ce revirement de situation. Bref. Ouais. Bon. Je ne sais pas si tu as du monde dans le sas encore. Ouais, mais je vais clôturer plus tôt puisque j'ai un rendez-vous à 12h30 exceptionnellement pour ma voiture là. Ah, mais donc du coup, je vais finir un peu plus tôt puisque j'ai un peu de route. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à Sylvie? Merde. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi? Alors, excuse-moi Valérie. Non, mais j'aimerais régler ça avant le week-end de Pâques, pas qu'on parte avec quelqu'un qui a un problème. Voilà, qui a mal au corps. Fais-moi descendre, comme ça tu pourras lire tranquillement les sans que tu sois là. Merci Valérie, en tout cas. Des gros bisous. Bisous, à plus tard. À bientôt Valérie, merci, merci. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Sylvie? Mince, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dû louper. Des fois. Eh ouais, mais ça, il faut me le dire, les amis. Qu'est-ce que j'ai pu dire à Valérie qu'il est blessé, bon sang? Aïe, 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 aïe.
Les amis. C'est quand j'ai parlé d'un problème, elle a pris pour elle. Quel problème ? On en a tous des problèmes, les amis. Merci Jean-Luc, voilà de la bienveillance, un amour de se vanter. Les amis, je ne comprends pas tout ça. Bref, de se vanter. Ah ! Ça y est, je vois. Coucou Chris, gros bisous, bon week-end de Pâques à toi. Ouais. On devait aller en Lozère ensemble, hein, de se régaler. Mais bon, ce sera une partie remise. Ah, ben j'ai aucunement visé Sylvie. Mais à jamais de la vie, j'aurais visé qui que ce soit ici présent, les amis. Je le dis comme ça parce que ça m'est venu dans voilà. Dans ce que je disais, quoi, parce qu'il y en a souvent qui viennent et qui soulignent ce qu'ils font pour les autres. Et du coup, ça vient gâcher un peu le truc. Mais je ne parlais à aucun moment de qui que ce soit ici présent. Enfin, en tout cas, Sylvie, de tout cœur, un gros bisou. Si je pouvais te serrer, je te serrerais dans mes bras, ma belle. Pas de malentendu ici, hein, quand je me suis énervée. Oh putain. Ah, mais des fois, je me rends pas compte l'impact, les amis. Je suis désolée. Ah non, mais. Mais je n'ai cité personne. Bon, je suis désolée. Véritablement désolée. Mais j'ai lu qu'elle parlait de clan, tout ça. Bref. Bon, c'est pas grave. Allez, on ne va pas rester sur cette note. Hein, s'il vous plaît. Bon week-end à toi, l'ami. Alors, allez, on va finir avec Fadila. Hop, pas longtemps, mais sûrement. Coucou. Fadila ? Est-ce que vous entendez Fadila ? Ça alors ? Allô ? Oui, Fadila, t'es en ligne ? Il y a de l'écho. Hein. Eh ben parce que t'es deux fois dans oui, le sas. Attends. Salut Joanne, notre amie de l'autre côté de la Belgique. Je me rappelle de toi, t'inquiète. Alors attends, Fadila, j'enlève ton autre profil là. Ah ben je peux pas. J'ai expulsé. Voilà. Attends, est-ce que là ça marche, Fadila ? T'as moins d'écho ? Oui. Bon, comment vas-tu ? Ça va, et toi, et vous tous ? Là, c'est un peu dur avec le Ramadan, mais bon. Je tiens le coup, il ne reste pas grand-chose. C'est donc, quand que voilà, on gère. Dans 10 jours. D'accord. Vers le 10 avril. Le 9 ou le 10. D'accord. Voilà. Donc, voilà, je voulais. Bon, quand je suis pas connectée, j'ai beaucoup de trucs qui me passent, des idées qui me passent dans la tête pour les exposer, pour les lire, pour plutôt les dire, les partager. Et là, quand j'arrive devant, j'oublie. Bon, là, il y a un truc qui vient de me revenir. C'est un sujet d'actualité que nous vivons en ce moment. Hier, j'ai vu un notaire, on a parlé un peu, on a tiré la discussion. C'est fou ce que ces gens-là, bon, comment on les appelle, les médecins, les élites, c'est les élites un peu, des intellectuels. Il me dit que Poutine, c'est un fou, il est en train d'attaquer. Oh là là là. Voilà, d'attaquer les pays voisins. Et j'ai parlé avec le dentiste, il m'a dit pareil. Tu vois, c'est comme le Covid, là. Je me suis dit vraiment, c'est comme le virus. Tous ces gens-là ont cru au virus. Donc, il y a un problème, là. Il y a un problème. Je me dis, est-ce que c'est nous qui sommes à côté, qui sommes déconnectés? Ou c'est ces gens-là qui sont, bon, ils sont normalement, ils sont intelligents. Je crois pas qu'ils le font exprès. Parce que dans ces personnes-là, on voit de la bienveillance. Sauf s'ils sont des francs-maçons, ça,
Voilà. Bon, bah, souvent, il n'y a pas besoin d'être franc-mac pour ne rien avoir compris au scénario, l'histoire. Hein. Il y en a plein, hein. C'est des naïfs. Ou alors, c'est des... Ils s'en foutent, quoi. Mais c'est dingue, quoi, voilà. de répéter bêtement un discours et ne pas réfléchir, ne pas mettre un peu de jugeote dans ce qu'il raconte. Si Poutine était véritablement un ennemi, il y a longtemps que la France serait rayée de la carte, bordel. C'est quoi cette histoire, là, depuis le temps voilà. Ça, d'entendre ça, ça me fait mal, hein. Je comprends, Fabula. Mais il ne faut pas s'énerver. Il faut ignorer. Non, je ne me suis pas énervée. Après, mon mari me dit « Oh, il ne faut pas parler de politique. Est-ce que tu parles de politique ?» Je dis « Parler de quoi ?» Ben, chacun, il parle de ce qui lui plaît, non ? Maintenant, il faut qu'il nous formate aussi des sujets qu'on doit aborder. Donc, si moi, j'ai envie de parler de quelque chose, je suis comme ça, je suis spontanée, je parle, c'est mon cœur qui parle. Exactement, Fadila. Donc, voilà. Tu as raison. Voilà, donc, c'est pour ça, moi, quand je vois ça, en plus, c'est des gens comme nous, on est de la classe moyenne, c'est des gens qui sont... démunis de richesse, c'est-à-dire on n'est pas des riches, on est des gens simples. Et notre simplicité, elle est dans le cœur. Et moi, si les gens qui pensent comme ça, pour moi, ils n'ont pas de cœur. Ils pensent qu'à l'argent, et l'argent, d'ailleurs, ils ont peur de manquer, ils ont peur, ils sont là, ils ne veulent pas parler de politique, parce que s'ils parlent de politique, on risque de les attaquer et de leur enlever leur acquis. Donc, tout est relation avec l'argent. Par contre, les gens qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas de... Oula, Fadila, excuse-moi. Je te disais, c'est bien triste. Qu'est-ce qui se passe? Fadila? Ah, Olivier, t'as raison. Fadila? J'entends plus Fadila. Mais c'est ça, ils sont dans la peur, ces gens-là qui ont ce discours-là. Ils vivent dans la peur. Il n'y a qu'à observer l'homme. Allez écouter des reportages. Il n'y a qu'à observer l'homme, les valeurs, les traditions qu'il préserve, qu'il conserve, qu'il met en avant. Je veux dire, ce n'est pas un monstre, quoi. C'est loin d'être un vampire comme tous ceux qui parlent mal de lui, tu vois ce que je veux dire? Non. Moi, ça reste un homme politique, mais qui a du cœur, et ça change la donne. Moi, Pascal Cascarino, il peut dire ce qu'il veut. Moi, j'ai mon ressenti, j'ai mon avis, les amis, sur la question. Il n'y a qu'à observer. C'est une question vibratoire, là aussi. Hein. Attention. Oui, je vais être en retard à mon rendez-vous, mais je voulais que Fadila puisse finir ce qu'elle avait à dire, en plus. Midi 4, ouais, t'as raison. Fadila ! Oh la vache. Oh, écoutez, j'ai vu une vidéo concernant Poutine, là, où il lui rendait hommage et t'avais devant. Putain, mais ça m'a bouleversée, ça m'a touchée. J'en ai eu les larmes aux yeux, très, très émue, une émotion incroyable. Bon, on le voit que son peuple l'aime en plus. Hein. Il n'y a pas de faux semblant. Hein. Ils ne sont pas soumis à la dictature. Non, non, mais ça n'a rien de bébé. Je veux dire, c'est tout ce qui peut faire plaisir. Ils le font. Ils étaient tous là, des centaines de milliers d'hommes et de femmes, et les femmes devant. Toutes dans leur costume de tradition, dans des couleurs inouïes, et à leur faire et à chanter l'hymne, déjà, elle est prenante, hein, l'hymne russe, waouh. D'une même voix, mais moi j'en étais bouleversée, mais est-ce que vous avez déjà vu ça en France une seule fois? Pourtant, on en a, hein. On est riche dans nos cultures et nos traditions françaises, hein. Mais alors, c'est absolument pas mis en avant, hein. Ah non, c'est la pensée unique, faut qu'on se ressemble tous. Ah oui, nos différences, surtout pas. Non, moi, il y a qu'à observer, les amis. Ayez un peu de bon sens, pour tous ceux qui sont encore dans la peur. Allez, on va quand même écouter Fadila, si ça fonctionne. Non, on n'a pas besoin de savoir l'avenir, avec le moment présent.
qui compte. Merci, Atali spirituelle. Fadila ? Oui, j'ai un problème là avec Internet. Je suis coupée constamment. On est vraiment embêtés, ils nous découragent pour ne plus intervenir. J'ai un problème fou d'Internet. Hein. Bon, alors, pour dire, c'est à nous d'essayer de s'unir toujours. Il faut jamais se lasser de dire ça. Il faut s'unir dans l'amour, surtout dans l'amour. Parce que pendant longtemps, tout à l'heure, j'entendais c'est Valérie, non, qui parlait. Oui. Avant toi, c'est Valérie, ouais. C'est précédemment. Voilà. Valérie disait que, bon, on nous a coupé de contact avec les animaux, le contact avec les familles. Les familles, il n'y a plus de contact. Alors, c'est tout ça est satanique. Quand on voit qu'il y a de l'argent pour faire des guerres, hein, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour aider les SDF, pour donner à manger, et pour les guerres, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ils cherchent, soi-disant, la science à trouver des remèdes. Je dirais pas des médicaments parce que le mot médicament c'est le mensonge. Donc le mot voilà. Lui dit lui-même. Hein. Il y a manquement dedans. Hein. Comme le gouvernement. Donc je comprends pas. Soi-disant qu'ils sont bienveillants, ils vont faire des recherches de nous trouver des choses pour nous soulager. Internet pour le progrès, pour nous faciliter la vie, et de l'autre côté, ils vont tuer, ils vont faire des armes, ils fabriquent des armes pour tuer des êtres humains. Ces gens, ils sont pas dans la bienveillance. Parce que si tu es dans la bienveillance, tu l'es avec tout le monde. Tu l'es avec la nature, avec les animaux, avec les humains. Mais je suis désolée, ces gens-là, ils ont un plan. Ils ont un plan contre tout ce qui existe qui peut aider l'homme. Tout à fait. Une petite note positive, Fadila. On le sait tout ça, on le sait là, le constat, on le connaît, hein, bien sûr. Une petite note positive pour ce beau week-end de Pâques, enfin voilà, de Pâques pour nous. Hein. Voilà. Donc nous, il faut pas qu'on rentre dans leur jeu. On essaye d'éviter ça parce que. L'amour normalement il doit être sur la bouche de tout le monde, pas que le mot amour, les actions, parce que c'est les actions qui nous rapprochent, c'est d'aider son prochain. Quand tu l'aides, la personne, tu lui rends le sourire, tu l'attires, tu te rapproches d'elle. Donc tout ça c'est qui donne l'amour. Et il faut pas rentrer, il faut pas qu'on rentre dans leur jeu. Je trouve que ce qui se passe maintenant, c'est en train de nous ouvrir les yeux. Exactement. Ça peut être, tout est là pour nous ouvrir les yeux. Ah oui, le scénario, tout ça son comble, Fadila, pour nous ouvrir les yeux. Donc voilà. Donc, oui, voilà, c'est quand il y a les fêtes, il faut reprendre les fêtes. Il faut mettre le matériel de côté. Il faut devancer l'humain. Hein, tout ce qui rend l'homme heureux, l'être humain heureux. Donc laissons tomber les querelles là, parce que je vois moi entre les gens, juste il y a un mot déplacé ou il y a un dérapage verbal, des fois ça fait des guerres, donc arrêtons tout ça, arrêtons. Exactement. La vie elle est courte, en ce moment, Julie, d'entendre toutes les personnes qui sont en train de partir autour de moi, c'est incroyable. Ah ben oui, vous savez hein, le résultat de cette picouse, voilà. On l'a longtemps voilà, et sans parler des effets, des amis, les tumeurs dans les yeux, picouser trois fois,
des phlébites, des myocardites, des péricardites, des crises cardiaques, c'est incroyable, et ils étouffent toujours. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais de toute façon, nous, on a tout compris. Voilà. Si les gens, là dernièrement, ma copine, elle m'apprend, une copine à elle, elle est décédée avec son bébé de 6 mois. Elle a 27 ans, la petite. Elle a eu du mal à tomber enceinte. Et là, elle a eu un cancer foudroyant de l'estomac. Elle est décédée, elle et le bébé, de suite. Quelle à l'hôpital. Et, voilà. Ouais, c'est terrible. Voilà. Le constat est terrible. Fadila, écoute, je t'embrasse. Tout plein de courage pour le ramadan. Merci, merci. Ben, je vous embrasse. Bonne fête de Pâques. Soyez dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'échange. Dommage que vous êtes loin, là. Je suis en train de faire les gâteaux pour l'Aïd, pour la fête. Quel voilà. Bonheur. C'est bon, ouais. Les macroutes, les cornes de gazelle, les Montecao, voilà. On parle de quelque chose qui nous revit. Le plaisir de la vie, le bonheur. Voilà, hein, le plaisir. Je suis gourmande. Et ben, pâtisserie orientale, on adore. Je partage tout ça avec vous. Déjà que entendre ça nous redonne la joie. Alors, passons nos fêtes, voilà. Oui. Vivons la spiritualité. Et il faut s'aimer, ne pas arrêter de s'aimer. Surtout pour quelqu'un qui nous a rien fait. Je vois pas pourquoi on va détester ou on va rejeter les gens qui nous ont rien fait. Donc, il faut pas se tromper d'ennemis, surtout aussi. Et soyez dans la bienveillance et encore une bonne fête et bonne santé surtout. Et longue vie. On a encore des missions à finir, on n'a pas fini. Ben exactement. Gros bisous. Voilà, allez, je vous embrasse. Merci, allez, merci, au revoir. Au revoir. Bisous. Voilà les amis, quel beau partage encore, quel beau live. À mon tour de vous souhaiter un excellent week-end de Pâques, les amis. Profitez-en d'être en famille, entre amis, d'avoir des pensées d'amour, de rêver grand, de penser à ce que vous aimeriez tellement vivre ici, dans ce paradis qu'est la Terre, sur ce paradis qu'est la Terre. Voilà, c'est le moment, les amis. Nous sommes dans des temps bibliques, si je puis dire, même si la Bible, elle a été traficotée, on le sait. Mais ce que nous vivons actuellement, c'est quand même extraordinaire, vraiment. J'insiste, les amis, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Je voudrais qu'on finisse avec ça. Ça va vous rappeler des petits souvenirs pour notre dernière rencontre l'année dernière. C'était aussi le week-end de Pâques. Des gros bisous, les amis. J'avais fait un petit clip et j'ai envie de le partager avec vous. Des gros bisous en attendant la prochaine. Prenez soin de vous.